Bonsoir le chat, bonsoir YouTube, comment ça va bien? On regarde les réglages de dernière seconde, normalement tout va bien, tout est ok, ravi de vous accueillir, oui vous l'avez remarqué, c'est bientôt, le Game Stream Heroes arrive à grands pas, ce soir évidemment, vous l'aurez compris, le mardi, eh bien, Starfield, oui, puisque on kiffe cette petite aventure, j'aime la partager avec vous toutes, avec vous tous. En tout cas, si vous débarquez sur cette chaîne, soyez les bienvenus. On saluera la rediffusion. Qu'est-ce que c'est que le Game Stream Heroes ? GameStreamHeroes.fr, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Dans le descriptif de la vidéo, je vous ai mis le lien du site internet du Game Stream Heroes, un événement caritatif pour les enfants de l'association Petit Prince, pour les soutenir, pour réaliser les rêves de ces enfants. Voilà, vous aurez toutes les informations sur le site du Game Stream Heroes. Un événement du 27 au 30 octobre en live, diffusé sur YouTube et sur Twitch. C'est important, soyez là au rendez-vous pour la bonne cause. Voilà, Eus, nous dit notre Max Blade. Mon petit Max Blade, je te fais un petit bisou sur ton crâne. La modération est là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la personne de Max, hein, que vous connaissez maintenant, hein, il fait partie des meubles, clairement, puisque vous le retrouvez avec moi toutes les deux semaines sur Son of the Forest. Et croyez-moi, la prochaine fois, je pense qu'on va bien se marrer sur le live, puisque celui-ci a fait une petite découverte plutôt sympa, hein, mais on vous en parlera, eh bien, tout simplement, le moment voulu. Hein, voilà, j'ai mon café, oui. J'ai ma e-club, oui. Le jeu est là, oui. On passe sur la scène de live, oui. Voilà, allez, tac, on se met sur la scène du jeu. C'est parti, les enfants. Hop, la petite musique. Oh, cette petite musique. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là. Bon, je sais pas comment ça va se passer ce soir. J'espère que ça va bien se passer. La dernière fois, c'était un petit peu le boxon. Hein. Mais, normalement, ça devrait couler tout seul. Alors, voyons voir. Allez, on va faire continuer. Voilà. Hop là. On se relance dans cette aventure. Alors, avec les conseils de Max, mais également du Voyageur Galactique et de la commu, hein, on avait récupéré un nouveau vaisseau, une nouvelle tenue. Alors bon, esthétiquement, la tenue, je suis pas ouf, hein. Mais le Voyageur Galactique ainsi que Max nous avaient rappelé que à l'endroit où on avait récupéré donc Sarah pour partir en mission avec nous, on pouvait aussi récupérer une autre tenue. On va se calmer, oui, oui. Hein, on n'est pas au pays des jouets. Hein. Ah bah écoute, au pays des jouets, je sais pas, hein, mais on n'est pas non plus au pays des bisounours. En tout cas, bon, j'avais hâte de reprendre cette aventure puisque maintenant, dorénavant, tous les mardis, ça sera le live Starfield, le jeudi, le rendez-vous sur Son of the Forest, soit en solo, soit en duo avec Max. Hein. Alors avec Max, c'est toutes les deux semaines, puisqu'on fait un petit switch. Et le samedi, ça sera, donc on reviendra le samedi sur Mad Max, puisque la dernière fois, on avait fait voilà, un petit sondage vite fait. Qu'est-ce que vous vouliez pour votre week-end? Starfield, Mad Max, vous aviez choisi, c'était eh bien Mad Max. Alors, Starfield, voilà. Se lever, allez. On est dans notre... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Allô, on a perdu la tête, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de tête. J'ai pas de tête. J'ai pas de tête. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où, ma tête? Mais qu'est-ce qui se passe? Il bat de tête. Et j'ai des mains, j'ai des pieds. Mais qu'est-ce que c'est, ce bordel? Elle est où, ma tête? C'est les capacités de la tenue. Mais qu'est-ce qui se passe?
Mais docteur! Ah mais accroupi sans bouger, tu es invisible! Ah bah oui, bah là, bah oui! Et à ce moment-là, c'est tous les PNJ dehors qui n'ont pas de tête! Ah c'est pas mal ça! Allô le jeu! Mais pourtant j'ai une tête là! Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin voyons docteur! Qu'est-ce qui se passe? Alors, mission! Voyons voir. Fantassin, qu'est-ce que c'est ça? Un marchand m'a dit que des expatriades redoublaient d'activité dans le secteur Altaïr. Il y a également entendu parler d'un appel de détresse urgent. Je devrais me rendre là-bas pour en savoir plus. Alors, je suis pas sûr que pour l'instant on ait le level pour y aller. Nous devons trouver l'avant-garde. Ça, on avait fait un tour en possession d'un artefact. Vu qu'il batterie, ok. Mantis, ça c'est fait. Alors, principal. Ça c'est ok. Ah non, mais c'est très bizarre. Rendez-moi ma tête. Non, mais sans blague. Je vais pas faire un live sans tête quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ma tête, enfin. Voilà, rendez-moi ma tête. Enfin, voyons. Et du coup, tenue. Alors, on avait des tenues plutôt chill. Ah. Ah, sympa, ça fait très très Len Ripley, hein. C'est bizarre quand même. Oh putain, la vache! Oh, la tenue de chasseur de primes! À déconne, zéro. Oh, c'est plutôt classe. C'est plutôt classe. C'est plutôt classe cette petite tenue. Oh là là là. Oh, c'est aussi sexy ça. Oh là là, bah oui. Contrairement, hein. On regardera évidemment ça. Ah, c'est bon! J'ai récupéré ma tête! J'ai récupéré ma tête! C'est bon! C'est bon! Voilà. Alors, justement, tiens. Alors, on dirait bien que Neptune sera la prochaine étape. d'accord, donc elle veut aller sur Neptune avec nous. Une autre fois, peut-être. D'accord. Bah. Est-ce que. Hop, 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 Est-ce que hop, vous, que hop, notre hop, 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 avant-garde hop. soit sur Neptune? 2 secondes, toi. On Qu'est-ce que va. vous m'apportez? Non, c'est pas qu'est-ce que vous m'apportez, c'est qu'est-ce que tu vas me donner. Du coup. Sarah. Deep Core, navigateur, minage. On va lui laisser celle-là. Les armes. Voilà, on va lui prendre ça, on va lui prendre ça, on va lui prendre ça, on va lui prendre. Je prends tout, moi. Je vais lui laisser ce flingue-là. Je lui fais cadeau de ce flingue-là. À quoi? Merde. Equinox, machin. Sac. Ça, c'est quoi? On récupère tout. On va bicrave un petit peu. Hein. On va bicrave un petit peu. Bon, par contre, les munitions, je récupère, je garde pour moi. Les ressources. Voilà, je récupère tout. Les bobines de câble. Hein, ouais. Comment ça? Ça, je récupère. Ça, je récupère. Oh! Allez, je la récupère aussi.
Tu te calmes? Je vais te refiler un gun quand même. Vous voulez voir ce que je transporte? Bah, t'as plus rien donc. Je vais quand même lui refiler son. Un petit gun. Histoire de. Voilà, je lui fais cadeau de ça. Voilà. Je lui fais cadeau de ça. Ok. Ok. Voilà, tu. Oh, tiens, ouais, reste là, tiens. On dirait bien que Neptune sera la prochaine. À bientôt. D'accord, d'accord. On va aller sur Neptune, mais je vais aller faire des emplettes d'abord. Je vais aller faire quelques petites courses. Bonsoir Max, bonsoir Ika. Ika a récupéré sa tête, content de savoir. J'avais perdu. Bah oui, on avait perdu notre tête, Nat. Comment ça va, ma petite Nat? La modération est présente, évidemment. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce petit live. Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, bah justement, pourquoi filet de saumon. Vous embêtez à transporter tous ces trucs. Oh, ferme-la, commence pas à nous saouler, toi, dès le matin. Oh, alors, hop. Ah oui, c'est vrai que nous, on peut sortir par l'arrière. Allez, Paradiso. Normalement, on peut respirer sans casque, hein, je crois. C'est une planète colonisée. Normalement, il n'y a pas de problème. On découvre Paradiso. Bah, il n'y a pas grand monde. Je dirais même que c'est désert. Bah, on va aller voir, hein. on va aller se promener. On va découvrir cette nouvelle planète. Il y a un monsieur là-bas, on va aller lui causer, voir s'il est gentil déjà. Est-ce que t'es gentil toi? Oh, t'as une bonne tête de vainqueur toi. Bah c'est gentil, c'est... On a certains des meilleurs agents de sécurité de tous les systèmes occupés. D'accord. Très bien, madame. Très bien. Très bien. Il y a pas des bagages que je peux fouiller, non? Je sais jamais. Bon, bon. Attends, il y a les petites boîtes par là. Hein. On n'hésite pas. Hein. On fouille, on farfouille. Hein. C'est la foirefouille. Hop. Oula. Voilà. Allez. Donc hein, ce nouveau vaisseau qui est le nôtre maintenant, hein, plutôt sympathique ma foi. Bon par contre il n'y a pas de technicien. Où sont passés les techniciens? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, où sont-ils? Ah bah voilà, il y a un monsieur là-bas là. Ouais, je pense que c'est pas un technicien, hein, je pense que c'est une sentinelle ou un garde, quelque chose comme ça. Bonjour monsieur. Aucun incident majeur depuis un moment. Espérons que ça continue sur cette lancée. Ne vous inquiétez pas pour nous. On est là pour maintenir la paix. D'accord. Très bien, hein, très bien. Alors, Room Network. Elle est où l'entrée? Elle est là? C'est la porte? C'est une porte. Ok. Ok. Il y a des gens un peu partout. Bonjour monsieur. On pourrait croire que nous sommes une cible de choix pour les pirates, mais ils nous laissent tranquilles la majeure partie du temps. C'est peut-être le paradis, mais ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas quelques soucis de temps en temps. D'accord, c'est tout ce que t'as à dire. Oh, 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 oh. Ah, j'ai cru qu'il avait sorti son pétard là. Ah oui, d'accord. Non, bah, je vais pas te voler un sandwich. Ah, d'accord, c'est considéré. D'accord, ici, non. Ici, tu fais pas le con, quoi. Ici, tu fais pas le guignol, hein. Sinon, ça se passe pas bien, apparemment. Bon, bah, on va aller voir par là. Et après, on a notre objectif, hein. Donc, Neptune. Bonjour, monsieur. Oui. Bienvenue à Paradiso. Jiro Sugiyama, à votre service. Avez-vous un problème concernant la sécurité ou puis-je faire autre chose pour vous? Alors, je viens au sujet de votre appel à l'aide. La sécurité de Paradiso est affiliée à l'UC ou à la Confédération de Libre Astra. Quel genre de problème peut-on avoir dans un complexe hôtelier? Bon, Ah, oui, évidemment. Content de vous voir. Nous voilà dans une situation un peu délicate. En d'autres circonstances, nous ne recruterions pas d'aide étrangère, mais nous ne souhaitons pas inquiéter nos visiteurs. Nous devons donc gérer cette histoire avec discrétion.
Tout échec de votre part pourrait avoir des conséquences désastreuses. Alors avant de poursuivre, jurez-moi de ne parler de tout ça à personne, sauf ordre de ma part. Alors, c'est compris, je jure, dites-moi exactement ce que vous attendez. Ouais, je jure, mais dites-moi vite ce que vous attendez. Je devrais y réfléchir avant de vous donner une réponse. Merci, j'apprécie votre geste. On va faire genre qu'on est... Voilà. Il n'y a pas si longtemps, un énorme vaisseau est apparu dans l'espace de Porima. Il est désormais verrouillé en orbite au-dessus de notre planète. Pour le moment, il n'est pas hostile, mais toutes nos tentatives de communication ont été vaines. Du coup, on ignore les intentions du vaisseau. Voilà une situation délicate. Continuez. Alors, venez-en au but. Voulez-vous sans doute que... L'éparpille, façon... Venez-en au but. Vous voulez que je... Sans doute que je l'éparpille façon supernova. À quoi avez-nous affaire d'après vous? Ils n'ont pas répondu au message. Quel genre de vaisseau? Savez-vous à qui il appartient? Alors, on va utiliser un petit trait d'humour. Quoi? Mais non, surtout pas. Calmez vos ardeurs. Calme-toi, voyons, je rigole. Si vous parvenez à les contacter, sans réponse de leur part, vous pourrez essayer d'aborder. Quoi que vous fassiez, n'oubliez surtout pas d'être diplomate avec ceux qui sont, ou ceux qui est, à bord. Peut-être on va rencontrer une vie extraterrestre. Informez-en Oliver Campbell. Il est le PDG du groupe Paradiso. C'est lui qui prend toutes les décisions officielles. Et c'est lui qui vous paiera. Bonne chance. D'accord. Ok. Y a quoi là? Y a quoi? C'est quoi ici? Y'a quoi chez toi, monsieur? Ok. On visite, hein. Bon, apparemment, tout ce qui est ici, tu peux pas prendre, sinon c'est considéré comme du vol. On va pas... Oh là là. Ah. Ouais, mais du coup, si on voit... Est-ce que... Bon, je vais pas commencer à faire n'importe quoi à la Skyrim. Hein. Je vais pas commencer à piquer un peu tout et n'importe quoi dans le truc. On va essayer d'être quand même un minimum régulier et réglo avec eux. Allez. Y a que ça sur ta planète, c'est tout? Hein? Y a que ce truc. Alors, avant de partir, moi, j'aimerais bien aller visiter, quand même. Il y a bien des magasins, des trucs comme ça. Il y a bien quelque chose. Hein, on veut faire des emplettes, nous. Ah, t'es déjà fatigué? Ah ouais, on est en surcharge en même temps, donc c'est pas déconnant non plus. Ah, il y a d'autres personnes. Et si je veux... Passer par là? Hein? Bon bah tu m'attends là toi. Allez hop. Voilà. On est passé par le chemin le plus court. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Ah. Je vous ai peut-être coupé dans un truc là. Qu'est-ce que vous faites en slibar là? C'est quoi le plan? C'est quoi le... Je vous promets que lorsque j'aurai fini de m'occuper de vous, vous vous adorerez autant que je m'adore. Bah, tu m'excuses, mais bon, quand je vois ta gueule, j'ai pas trop envie, quoi. J'ai pas trop envie. Ok, ça c'est pour changer d'identité, enfin, changer de tronche. Alors, on a le Paradiso qui est là. C'est quoi le Paradiso, du coup? C'est un hôtel, si j'ai bien compris? Chunks, c'est quoi ça, Chunks? Ah, c'est quoi, c'est de la bouffe? Bonjour, monsieur, dame. Madame, bonjour. Madame, bonjour. En dépit de toutes les campagnes de marketing, Chunk restera toujours Chunk. Bonjour, bonjour. Bienvenue chez Chunk. Si c'est votre première fois chez nous sur cette planète, vous découvrirez que notre cuisine et notre service sont un cran au-dessus de ce dont vous avez l'habitude. Madame, ouvre la bouche pour parler, s'il te plaît. N'hésitez pas à me demander quoi que ce soit pour faire de votre expérience Chunk un moment aussi agréable que possible. J'aimerais acheter des crumbs gourmets.
C'est un crank de luxe. Je m'en fous. Merci et à la prochaine. Ouais, c'est ça, la prochaine, c'est ça. C'est ça. Bien sûr. Ok. On va aller voir le Paradisio déjà pour commencer. Ah, on va peut-être pouvoir s'entendre. Apparemment, il y a l'air d'y avoir pas mal de boutiques. On va aller voir l'accueil. Oh, bienvenue au Paradisio. Oh, il y a des valises. On peut fouiller dans les valises ou... Bonjour. Non, on peut pas. Oh, pardon, désolé. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur, je vais te parler. Ouvre la bouche, monsieur, pour parler. Encore une notification de bagages perdus dans le système. Quand est-ce que je vais trouver le temps de m'occuper de tout ça? Oh, bonté divine, quelqu'un. Je suis navré que vous m'ayez entendu me plaindre. C'est tout à fait déplacé de ma part. Bonjour. Bienvenue à Paradiso. Dirk Dalston, à votre service. Avez-vous besoin d'aide avec votre réservation? Alors, non merci, je n'ai pas de réservation et je n'ai pas l'intention de rester. Je n'ai pas de réservation, mais j'aimerais vous prendre une chambre. Non, je n'ai pas encore. Je ne sais pas encore si je compte rester. On dirait que vous avez d'autres soucis. Voulez-vous que je revienne plus tard? Intéressant. Et pourtant, vous avez décidé de prendre une navette jusqu'ici ou de faire atterrir votre vaisseau sur une planète touristique. Eh bien, si jamais vous changez d'avis, faites-le moi savoir. D'accord. Non, je commence pas à faire des quêtes FedEx à la con. Non, moi ça m'intéresse pas. Moi. Ça m'intéresse pas de faire des quêtes FedEx. General Store. Ah. Et qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Bon, bah, apparemment plein de choses. Besoin de quelque chose? Ouais. Une synchro labiale, si possible. Bienvenue dans la boutique de souvenirs et commerces de proximité de Paradiso. Regardez autant que vous voulez, mais cassez rien sans quoi vous devrez le payer. Et avant que vous me le demandiez, il n'y a pas de réduction, donc essayez même pas de marchander avec moi. Ok. Ouais, c'est clair, j'ai l'impression que t'aimes pas trop ton travail, ouais. Voyons voir. Non. Vous croyez toujours que parce qu'on est une petite planète et qu'on fait pas partie de Liber Astra, vous pouvez tout marchander? À titre personnel, je m'en moque. Vraiment. Mais s'il manque de l'argent en fin de journée, c'est déduit de ma paye. Donc non, pas de réduction. Ok, c'est bon, calme-toi. Pourquoi je l'aimerais? Je dois vendre des cochonneries super chères à des imbéciles de touristes toute la journée. Mon oncle travaille pour le conseil de Paradiso. Quand il a dit qu'il pouvait m'avoir un travail ici, je m'attendais à bosser comme cadre. Je m'attendais pas à ça. Mais bon, c'est pas si mal. J'ai pas à m'inquiéter de me faire virer et je vis à Paradiso gratuitement. Bon, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ou vous allez continuer à me questionner sur ma vie? Vas-y, va t'acheter une sympathie, toi. Vous cherchez un souvenir ou vous avez oublié un produit essentiel à la maison? Alors, marchand acheté, vendre. Alors, ça on va garder, ça on garde. Bah, les munitions on garde hein, forcément, donc adhésif. Allez, on vend. Ça on va garder, ça on va garder, ça on garde. Ça on va le garder. Bandeau spatial, vas-y, ça dégage. Batterie, ça on va garder. Bière blonde, bobine de câble, on garde. Ça on vend. Ça on vend. Ça, ça dégage. Ça on garde. Alors, casque, ça dégage. À combien me racheter ça? Valeur 11, putain, ça. Ça, ça dégage aussi. Ça, ça dégage. Voilà. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça aussi. Ça, je garde. Ça, on garde. Ça, elle a des bonnes stats. On va la garder.
Ça aussi, on va la garder. Combinaison de minage. On va garder la combinaison de minage qu'on avait. On sait jamais. On va juste en garder une. Voilà, ça. Alors, attention, vous obtiendrez moins que la valeur de l'objet. Ah, t'as déjà plus de thunes ! Ah, là, déjà plus de thunes ! Bon, on va voir si on peut pas lui acheter quelque chose. Alors, vendre. Alors, acheter. Munitions. Qu'est-ce que t'as comme munitions ? C'est tout ce que t'as ? Cartouche sans étui. Tu rigoles ou quoi toi? Donc faudrait que je regarde avant d'acheter des munitions. Non mais c'est dégueulasse ces trucs là. Soins. Non non, moi je veux des vrais soins. Non non, j'en veux pas de tes merdes. Je veux des vrais soins moi. Kit de soins. Voilà. Okay. Waouh, super vendeuse. T'as vu ça, Nat? Truc de ouf. Vraiment, je crois que c'est la vendeuse la moins fun de toute la galaxie. C'est tout ce que t'as, d'accord. Ressources. Ouais, en gros, hein, la plupart des trucs, c'est ce qu'on lui a acheté. D'accord. Arme, t'as quoi comme arme? Alors. Oh, joli. Ouais, ouais. Oh, sympa ça. Légalisateur. Alors, ok, donc ça c'est quoi? C'est du 7,77. D'accord, du 7,77. Et ça, munition MKV. Alors, munition. Alors, 17,77. Vas-y, je prends tout. Voilà. Ok. Merci pour vos achats. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, hop. Voilà, maintenant, on a ce qu'il faut. On n'est pas trop mal. Hop. J'aime bien cette combinaison, elle est sympa. Ok. Allez, justement, tiens, on va regarder si on n'a pas des compétences. On a 2 points à attribuer. Alors justement, on a attribué quelques points sur les derniers lives aux compétences de notre personnage. Ça serait bien, je pense, aussi de penser au côté social. Alors, le social. Oh, 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 calme-toi, calme-toi, calme-toi. Alors, le social. Commerce, gastronomie, persuasion, récupération, vol. Persuasion. Voilà. Ok. Et commerce. Voilà. On avait 2 petits points. Si on peut les attribuer dans quelque chose qui peut nous être aussi utile par la suite. Donc, qu'est-ce que. Après, j'imagine que c'est des restos. Des...
Ouais. C'est l'endroit idéal pour un séjour. Tranquillité. C'est le moment parfait pour manger un morceau ou boire une tasse de tranquillité. On commence par quoi ? On va pas s'arrêter là. On n'est pas là pour ça. Donc t'es mignonne, toi. Hein ? C'est quoi l'ascenseur là ? Ça nous emmène où ? Hop ! Moi je veux savoir où on va là. Choisir l'étage. Suite penthouse de luxe, étage de la direction, suite de luxe, quatrième étage, hall d'entrée. Étage de la direction. On va les checker vite fait. Bon, parce qu'apparemment, on pouvait aller parler au PDG. On va aller checker le PDG. Hein. On arrive avec un flingue dans les mains. Tout va bien. Bonjour. Excusez-moi, monsieur, dame. Ah, le concierge. Bonjour. Allez. Dans la journée, c'est le travail avant tout. Mais le soir, je profite du complexe, comme tout le monde. C'est bien, je m'en fous. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quelque chose. Si jamais le conseil de Paradiso est en réunion, vous pouvez compter sur moi pour lui transmettre un message. Mais justement. Entre nous, ça me soulage un peu que la plupart des cadres ne viennent jamais au travail. Super. Bonjour, j'ai pas mal de choses sur le feu pour l'instant, mais je suis quand même là si vous avez besoin d'aide. Oui, je veux. Passez un agréable séjour, et sachez que nous sommes là pour vous. Excusez-moi, vous ne pouvez pas entrer ici comme ça. Vous avez rendez-vous ? Wow, pas vraiment, Giro m'a demandé de l'aide pour le vaisseau en orbite, je suis pas encore allé. Je suis ici pour des affaires de la plus haute importance, vous ne savez pas qui je suis, c'est vraiment nécessaire. Alors, on va jouer la carte justement du... voilà. Hein, on a des infos, elle sait pas qui on est, on va tenter le coup du... Pas vraiment, non. Et je ne peux pas vous autoriser à débarquer comme ça en plein conseil alors que ses membres travaillent. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, adressez-vous à moi. C'est le mieux que je puisse faire, j'en ai peur. D'accord. Mais on n'est pas censé parler du truc pour l'instant. J'en ai bien peur, oui. C'est comme ça qu'il fallait pas parler du vaisseau. Le conseil. Voilà. On nous a dit qu'il fallait pas en parler. Ils sont généralement très occupés, donc toute personne extérieure doit prendre rendez-vous à l'avance. Ouais. T'as dit qu'ils étaient très occupés, et il y a deux secondes, t'as dit qu'ils branlaient absolument rien. Ah, mais. J'en ai bien peur, oui. Ces membres sont généralement très occupés. Non, mais moi je veux pas. Ah, je suis obligé. Ah, eh bien, je suppose que vous pourriez vous occuper de ça d'abord. Le conseil est en réunion pour l'instant. Il vaudrait mieux éviter de le déranger avant d'avoir effectué vos préparatifs. Mais si vous avez d'autres questions en attendant, je suis à votre disposition. Comment c'est travaillé pour Padizio ? Comment réagissent les gens ? On s'en fout. À la prochaine. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on nous avait donné un petit conseil, je crois. C'est d'aller dans les options du jeu. Dans affichage et voilà ça 100 normalement ça devrait glisser un peu mieux. Quelle belle journée hein. Ça devrait aller un peu mieux. Oui, j'ai l'impression que ça va un peu mieux, j'ai l'impression que c'est un peu plus lisse. Bon. On se tire, allez. Terrasse du toit, tiens, pourquoi pas. Je vous emmène sur la terrasse du toit, on va se prendre un petit verre, hein, une petite tasse de thé, ou un petit café. Un petit café pour mon petit Max. J'aime beaucoup les couleurs, ça fait... Pourquoi les gens sont en maillot de bain ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi aussi, je veux un maillot de bain. Ah, je sais pas si... d'accord, monsieur, dame. C'est charmant ici, d'accord. Je crois que tu parlais de moi. Bon. Il y a tellement d'activités que j'ai hâte de faire. Ah ? On peut chanter ? Je veux chanter. Okay.
On peut utiliser... Non, on peut pas utiliser le micro. Ah, la Claire Fontaine. Et coucou, salut Eden, comment ça va ma petite Eden? Comment elle va bien ma petite Eden? Alors, il fait vachement moins chaud. Ça fait plaisir. Les températures sont redescendues. Hier, on a eu de l'orage. Aujourd'hui, il a plu. Je vous jure, hein, j'ai étendu les bras comme as. J'étais trop bien. Il y avait une petite brise et la pluie était tiède. C'était tellement cool. Les gens du drive, ils m'ont regardé avec des yeux comme as. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis en vacances. Ok, donc on est vraiment sur une station balnéaire. Oh, on peut faire du ping-pong. Alors, raquette de ping-pong. Non, je veux pas voler une raquette de ping-pong. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec une raquette de ping-pong? Je vais pas aller voir les extraterrestres en leur disant « Tu veux jouer au ping-pong ?» Putain, moi je pensais qu'on pouvait faire d'autres trucs. Ah, on va aller parler à lui, voir. Certains de nos clients pensent que tout est gratuit. J'ai vu des gens s'en aller avec des serviettes, de l'argenterie, tout ce qui leur passe par là. D'accord. Ok, j'en ai rien à carrer. On se tient. C'est très joli, ma foi, hein, mais bon. C'est juste si t'as envie de chiller tranquille. Rien à redire. Voilà. Hop. Allez, on se tient. Dans le hall d'entrée, du coup. Attends, on n'irait pas voir la suite Penthouse? Je vous emmène dans une suite Penthouse. Allez, on y va, on va voir un petit peu c'est quoi le luxe. Ok. C'est l'hôtel pour le GHS. Porte inaccessible. Ah. Ah, on peut pas y aller sauf si on réserve une chambre. D'accord. Bon bah voilà, vous avez vu le couloir. C'est cool hein. Sarah, casse-toi ça paix. Voilà, merci. Allez, on retourne dans notre vaisseau. Hall d'entrée. Let's go. On n'a pas le temps. Je vous ai même pas demandé. Ça va le son, tout ça, c'est bon pour vous? Tout le monde il est ok? Tout le monde il est content, tout le monde il est ok. Donc là, on sait qu'on pourra revenir. Une fois qu'on aura été jeté un petit coup d'œil à ce vaisseau qui est en orbite. Allez, on va retourner. Nous faisons notre possible pour ne pas gêner les clients, mais nous sommes toujours là au besoin. Madame, mais va t'habiller, madame. Enfin, voyons quoi, un peu de tenue quoi. Ouais, ils sont vraiment tous en mode chillou. Hein. C'est la petite station balnéaire où tu viens passer tes petites vacances, hein, tranquillou minou. Comment je fais pour rejoindre mon vaisseau, en fait, moi? Hein, c'est une bonne question, ça. Moi, je voudrais aller dans mon vaisseau. On peut aller directement dans son vaisseau? Inventaire, compétences, carte stellaire, vaisseau. Donc notre vaisseau. Vaisseau 2, le frontière, vaisseau 1. Examiner, équipage, soute, d'accord. Ah oui, d'accord, donc lui, équipage 2. D'accord. Mettre le cap. Alors, voyons voir. Donc là, on a contacté le vaisseau non identifié. Parler à machin. Donc là, en fait, c'est là où on est. Hein. Ok, clairement, c'est là où on est. Donc ça, c'est Paradisio, d'accord. C'est quoi ça? Mon vaisseau. Ah, je porte trop de choses. C'est pas grave. Mets le scan vers le point bleu et déplacement rapide. Ok, merci pour le retour. Remonti Max. Euh...
Ok. Donc le point bleu. Encore une belle journée à Paradiso. Y a que des belles journées ici, je suppose. Paradiso est vraiment magnifique. Peut-on imaginer mais c'est parce qu'on un cadre est trop lourd, plus paisible peut-être. Pour un complexe hôtelier. Hop. Ah, le scanner, d'accord. Salut. Voilà, hop. Vous portez trop de choses, vous pouvez pas voyager rapidement. Attends, bouge pas, tu vas voir. Allez où l'autre Allez où Pimprenelle, où es-tu? Sors des fleurs, s'il te plaît, c'est pas le moment. Espérons que notre avant-garde soit sur Neptune. Attends, je vais te donner 2-3 trucs pour qu'on puisse move rapidement dans le vaisseau, puis après on va déposer quelques trucs dans le vaisseau quand même, parce que c'est un peu le bordel. Hein. Voilà. Je ne porte que les trucs chers. Non, je rigole. Alors, Sarah. Donc. Alors, ça s'est échangé, d'accord. Ah, tu peux directement balancer dans ton vaisseau ? Ça, voilà, on va lui donner toutes ces merdes là. Voilà, hop. On va lui donner divers, c'est quoi? On va lui donner ça. Ah, ouais, j'en ai. Ah, ouais, je me trimballe quand même pas mal de merde, hein, on va pas se mentir. Du coup, est-ce que c'est bon? À plus tard. Non, il n'y a pas de « à plus tard », tu restes avec moi, hein, s'il te plaît. Hop, voilà. Faites attention à vous. Alors, voyage rapide. On porte trop de choses. Il y en a, toi. Bon, apparemment, on porte trop de choses. Je vais lui filer des armes, je pense que c'est le truc qui pèse le plus lourd. Vous pouvez me changer ce plan, s'il vous plaît? Voilà, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce N'hésitez plan, là, con? N'hésitez pas à mettre des objets dans mon sac. Je pense que, ouais, on va lui filer ça. Ah oui, j'ai beaucoup d'armes. Voilà. Il a l'air stylé, ce gun. Ok, ça devrait être mieux quand même là. On se voit plus tard. Voilà, fait une tête. Alors. Du coup, c'est bon maintenant? On a le cul moins lourd? Ah putain, oh! Il y a un moment quand même. On n'est pas si lourd que ça.
Ah, c'est chiant là, les synchronisations linguales. Enfin. Si vous voulez me faire porter du matériel, n'hésitez pas. Alors par contre, si vraiment il y a des gens qui connaissent bien le jeu et qui peuvent me donner des petits conseils, peut-être hein, pour une optimisation sur certains réglages pour que ce soit un peu mieux, n'hésitez pas surtout, hein, ça fera plaisir. Est-ce que je peux du coup... Ça, c'est tout ce qu'on a dans notre vaisseau. On a un avion en papier. D'accord, mais on peut pas balancer directement dans le vaisseau. C'est dommage ça. Ah zut, je me suis loupé. Vous avez quelque chose pour moi? Oui, je vais te donner plein de trucs. Voilà, vraiment. Ah, peut plus rien transporter d'autre. D'accord, ok. Bon, bah ouais, on a le cul trop lourd. Chiotte. Chiotte de crotte de bique. Ah, bah de toute façon, voilà. Le truc est là. On n'était pas si loin, je pensais qu'on pouvait mieux. Je suis là pour répondre à vos besoins. Non, non, on s'en fout. Oui, on passe un agréable moment. On est là en vacances, chill, tranquille. Paupiette? Et passez où? Bon, on la retrouvera dans le vaisseau. Ah! Bon retour parmi nous, monsieur Taufik. Il me semble qu'il s'agit de votre 8e visite. Votre fidélité est très appréciée. Puis-je être d'une quelconque assistance aujourd'hui? En fait, merci de prévenir l'équipe de Paradiso si jamais. On s'en fout, je viens d'habitude. La navette adopte un cap. J'espère sincèrement que cet humble serviteur robot aura égayé votre journée. Si j'ai échoué dans cette tâche, a duré plus longtemps, sachez que j'en suis navré. Et nous sommes passés au-dessus de beaucoup plus d'eau. Je préférais quand même. J'espère qu'on pourra récupérer notre robot parce que notre robot, mine de rien, il pouvait en transporter des choses. Hein. Il pouvait transporter jusqu'à 350 kilos. Donc, c'était pas un manche là-dessus. De toute façon, on va aussi vider un peu nos poches dans ce vaisseau. Parce que bah, à chaque fois qu'on part en mission, on récupère plein de trucs. Mais du coup, après, on est comme des cons. Ok. Alors. Hop. Eh, où tu vas là? Hop. Voilà. Retourne-toi, parle-moi. Merci. C'est dommage, hein, les jeux de lumière sont beaux et tenez, tout ça, mais il y a ça. J'ai quelque chose pour vous. Ah. Je vous en prie. Et c'est quoi j'ai trouvé ça pendant notre dernière expédition en surface. Je suis pas là juste pour canarder vos ennemis, vous savez. La prochaine fois, j'ai un paquet cadeau avec un gros nœud. Je suis contente de pouvoir mettre à profit mes compétences sur le terrain. Ça faisait longtemps. D'accord. Passez me voir de temps en temps quand on revient de la surface. Si je trouve quelque chose d'utile, je vous le mettrai de côté. Et tu me dis ça que maintenant? Qu'est-ce que tu m'as donné? Pigment, graines ajoutées. Hop. Eh, où tu vas là? Où tu vas? D'accord, c'est bien, tu vas travailler, c'est... Voilà. Hop. À je boule. Je serais ravi de vous porter quelques trucs. Oui, bah, tu vas nous porter quelques trucs, oui. Alors, tu vas me filer ça. Voilà. Je te laisse un gun comme ça. Sélectionner la quantité. J'en veux 9. Voilà. Je te le prends. Voilà, je te le reprends. Voilà. Donc, tu auras un Equinox et ça. Ok, combinaison. Je te laisse ça. Casque. Je te laisse. Ressources. Je te reprends toutes les ressources. Comme ça, on va mettre ça dans des caisses. Voilà, hop.
Oh, c'est mignon tout plein, ça. Voilà. Voilà, on lui laisse le strict nécessaire, vraiment. On lui laisse le strict nécessaire. Au revoir. Oui, c'est ça, au revoir, c'est ça, ouais. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut ranger? On a des espaces de stockage, je crois, à l'étage. Mais casse-toi! La console de navigation, ça c'est les chiottes. Du coup, on peut aller faire popo? Bah, évidemment non. Voilà, il y a des chiottes, mais on peut même pas l'utiliser. Toiletteur personnel? Restons un peu sérieux. Soyons sérieux, soyons sérieux. Est-ce qu'on peut fermer la porte? Hop, voilà, on ferme la porte. Alors, qu'est-ce qu'on peut stocker là-dedans? On peut stocker des trucs? Oui, non, oui, non, peut-être, non, on ne se prononce pas. Non? Bah, ferme alors. Ok. C'est quoi ça? Ah, je crois que c'est un coffre ou une connerie comme ça. D'accord, donc bon, on va monter à l'étage. Hop, allez, on va à l'étage. Alors, j'espère qu'on peut stocker des trucs. Alors, Equinox, machin, là, là. Donc ça, je voilà. Je crois que vous devriez vous débarrasser d'un peu d'équipement. Oui, bon, bah ça va. Transférer. Inventaire. Arme. On va mettre ça. Vous ne pouvez pas stocker d'objets ici. Ah. D'accord, je pense que c'est des munitions. Ouais, mais sauf que les munitions, on les garde avec nous. D'accord. Ah, on a pu mettre un seul gun. Ouh. Génial. Transférer. Alors, on découvre un petit peu. Hein. Là, on est aussi un petit peu dans un mode où on voit un petit peu ce qu'on peut claquer là-dedans. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Légendaire, rare. Épique. Physique 42, énergie 26. Allez, on va mettre celui-là, parce qu'il est joli. Voilà. Voilà. Ah, caisse de stockage. On va pouvoir en mettre de la merde là-dedans, normalement. Alors, inventaire. Donc ça, on va la garder sur nous, quand même. Voilà. Ok. Ok. Parce que on a littéralement dépouillé... 116, 15, 15, 55. Ok. Sac. Alors. Ça, ça dégage. Tout ce qui est pas. Tout ce qui est pas potentiellement cool, je dégage. Hein. Tout ce qui est en rouge de toute façon. Voilà, on essaiera de. Ah d'accord, ok. On a rempli le conteneur. J'espère qu'il y a d'autres endroits quand même où on peut stocker. D'accord, là il y a un truc avec des munitions, ok. Parce que là niveau stockage c'est pas dingue. Hein. Ah, mallette d'armes. On va peut-être pouvoir stocker. Hop. Alors les armes. D'accord, on peut en mettre qu'une seule. Génial. Voilà. Okay, on peut en mettre que un de chaque.
Sélectionnez la quantité. Voilà. D'accord, on peut pas en mettre plus que ça. Putain, fais chier. Qu'est-ce que c'est que ces trucs de stockage où tu mets trois fois rien dedans là ? Tu mets trois couilles de nounours dedans et c'est fini quoi. Voilà. Ok. Ah mais attends, il y a un deuxième truc. J'avais pas vu, on peut stocker et dessus et dessous. Oh là là, bah oui. Bah oui, mesdames et messieurs, enfin, voyons. Et vous dites rien, vous me laissez galérer comme ça là. On va mettre celui-là avec. Allez, hop. Voilà. Est-ce que. Bon, d'accord. Allez, d'armes transférées. Parce que bon, ça serait bien qu'on puisse se vider un peu les poches là, parce que on pèse un peu lourd quand même, hein. Oui, 3 kilos, ouais, tu pèses un peu toi quand même. Voilà. Ça c'est rempli, ça c'est rempli, ça aussi, ça aussi. Et la caisse en dessous là, non, on peut pas ? Non, d'accord, c'est pas un contenant. C'est dommage, il y a plein de caisses, mais on peut pas stocker dedans. C'est dommage quand même. Hein ? Parce que bon, vu qu'on est quand même aussi quelque part un peu un explorateur, ça serait bien. Oh bah le râtelier, bon, on va lui en mettre plein sa gueule. Allez. Tac. Quantité. Hop. Ah d'accord. C'est tout ce que tu peux. Ah non, il y a encore de la place. Transférer. Présentoir d'armes. D'accord. Inventaire. Ah oui, c'est un peu dommage quand même. Hop. Parce que bon, le problème c'est qu'on est arrivé sur ce magasin. En fait, ils ont pas énormément de pognon quoi. Donc l'autre, en fait, on l'a dévalisé en deux secondes quoi. On lui a piqué tout son pognon. Tac. 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 Mais le nombre d'armes qu'on se trimballe. Alors voyons voir, parce que j'ai vu qu'il y avait des armes modifiées. Du coup, est-ce que les armes modifiées, donc ça... Stocké. Ok. Alors, un. Entièrement automatique. Bon, au niveau du stockage, c'est pas ouf, hein. Ok. D'accord. Ça, c'était pour mettre une tenue, je crois. Support à sac à dos. Hop. Transférer. Est-ce qu'on peut mettre. Ah, super. Tu peux en mettre qu'un seul, quoi. C'est un peu chiant, ça. Présentoir d'armes. Hop, hop. Alors, l'équinox. Voilà, on va mettre les équinox de base.
Voilà. Ok. Le Grenelle, on en a un modifié, je crois. Voilà. Ok. C'est pas comme si on avait un peu d'armes hein, chez nous. Hein. Oncle Phil, bonsoir Ika, comment vas-tu? Comment ça va, tonton? Comment il va bien? L'oncle Phil, ça fait plaisir de te voir, mon petit tonton. Comment ça va? Quelles sont les nouvelles du front, cher camarade? Quoi de beau? Est-ce que toi aussi, tu t'es pris ce petit jeu, ma foi, sympathique? Est-ce que toi aussi, tu parcours l'espace En fait, notre vaisseau, c'est une armurerie. Le truc, c'est une armurerie ambulante, quoi. C'est n'importe quoi. On est des dingues. Donc, c'est vrai que... Putain, au niveau des caisses de rangement, on en a pas de ouf. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Support, quoi. Sac à dos. Non, calme-toi. Ah, quoique, si ça se trouve, je peux déposer peut-être un autre sac. Parce que j'en avais plusieurs. Voilà. Je peux pas en déposer plus. Ah si, peut-être là. Voilà. Voilà, comme ça, on vide nos poches. Alors, bon. Début du live, hein, un petit peu... ça me fait penser un petit peu à l'époque où je jouais à Minecraft. Vous savez, vous faites tout un tas de trucs, mais vous passez 3 heures à ranger votre coffre. Ça va, j'ai entendu la sortie de Starfield. J'ai joué à peine 4 heures et pouf. Ma télé m'a lâché. Ah merde! Ça a tué ta télé! D'accord. RIP la télé de donc le fils. Hein. Faites tous une petite. Voilà. Mettez tous une petite pierre tombale hein, dans le chat hein, pour la télé de l'oncle Phil qui l'a lâché lâchement. C'est un scandale. C'est un scandale. Voyons voir. Non, calme-toi. Je veux juste descendre. Voilà. Bon, alors, je vous propose un truc. Soit on va vers Neptune, soit on va voir ce fameux vaisseau qui a l'air un peu en galère. Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous préféreriez voir? On change de planète et on va sur Neptune, ou on va voir ce fameux vaisseau qui est en galère totale? Boîte à stockage. Est-ce qu'on peut mettre de la merde dedans? Ah. Voilà, ressources. Le conteneur est déjà plein. Mais tu mets 3 cacahuètes dedans et c'est fini, quoi. Là-dedans, on peut mettre quelque chose? Apparemment, oui, de la bouffe. Soins. Alors nous, on va vraiment garder uniquement les trucs optiques. Hein. De l'eau de source gazeuse stocké. Pas que tofu pas de ma gueule. Je me déteste. Ne relevez pas. Mais allons sur Neptune. Oh là 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 là, soyons fous mon Ika. Oh là là, oh mon Guillaume. Oh là là, comment ça va mon petit Guillaume? Du coup, j'ai commandé ma nouvelle télé, genre d'ici une petite quinzaine. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Comment va mon petit Guillaume? Hein, t'arrives au moment où je fais des blagues. Hein, je fais une blague pourrie, Guillaume, il arrive. Direct. Donc voilà, déjà, alors, on en a un qui va aller chez Guillaume. J'en ris, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mon petit fil. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, évidemment, la positive attitude de cet homme. Hein, prenez exemple, évidemment, pour tous ceux qui se posent des questions, qui se disent « Mais la vie est trop vilaine !» Mais non, hein, la vie, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des virages à gauche, c'est des virages à droite. Qu'est-ce que c'est, ça? Casier du capitaine. J'espère qu'on peut mettre plein de trucs dans le casier du capitaine. Hein, parce que... Moi, je veux mettre plein de trucs. D'accord. Bon, on a pu quand même se débarrasser de quelques merdes. C'est plutôt pas mal.
Pourquoi partout où je vais, je suis toujours le petit Guillaume, c'est fou ça. Bah, c'est mon petit Guillaume, mais c'est affectueux. Hein, mon petit Guillaume, mon petit Max, ma petite Nat, mon petit Phil, enfin mon petit tonton, tout ça, ma petite Eden. Vous le savez ici, hein, je mets toujours, toujours petit hein, devant tout, moi, c'est comme ça. Hein. Mes petits loups, je vous appelle comme ça, mes petits loups, voilà. Hein. Je vais pas vous appeler mes écrasions, hein, ça n'a aucun putain de sens, ça ne ressemble à rien. Hein. Ou alors, trouvez-vous un surnom de communauté. Hein. Allez-y, je vais. Putain. Guillaume, tu m'as donné une idée. Guillaume, t'es un chef. Je vais faire un sondage. Choisissez votre nom et ceux qui font les meilleures propositions. Vous votez pour les propositions. On en garde trois. Voilà. Les meilleures propositions, on les sélectionne. Le sondage d'après, on fait dégressif comme ça à chaque fois. Et le dernier qui sera en lice, bah, gagnera. Hein, ça vous dit hein? Comment ça, Eden, ça va mieux? Qu'est-ce qui se passe, Eden? Qu'est-ce qui se passe? Eden, qu'est-ce qui se passe? Ça me suivra toute ma vie. Oh bah ça m'a suivi. Oh, eh. Je vais pas vous donner mon surnom hein, que ma mère m'a donné quand j'étais petit. Mais ça m'a suivi toute ma vie aussi. Hein. Et je me suis pas plaint. Hein. Attention, attention. Ce jeu est vraiment addictif à la Bethesda. Oui, clairement. Clairement. Alors, on a réussi à se débarrasser de toutes ces nerfs. Donc, on avait Guillaume qui disait ah bah vas-y, on s'arrache à Neptune, on s'en fout du vaisseau, laisse-les crever. Mais ça se trouve, c'est des extraterrestres, moi. On va peut-être rencontrer des extraterrestres. On sait pas, on sait pas. Bon, allez. On s'assoit. Et je vous rappelle qu'on a commencé un live hein, où notre personnage n'avait pas de tête. Clairement. Voilà. Allez, on va se faire une petite visu. Déjà, on va décoller. Allez. Décollage imminent. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à bord du IK Jumps. Très bien, repartons explorer. Allez! On décolle! Voilà, on va être en orbite. À vous de décider. Alors, on a ce truc là. Donc normalement, si je fais la carte stellaire... Est-ce que je peux y passer directement Non. D'accord, je suis obligé de passer par là. Donc, carte stellaire. Hop. Est-ce qu'on peut dézoomer un peu? Voilà. Donc, contacter le vaisseau non identifié. D'accord, en fait c'est parce qu'on est vraiment trop près. D'accord. Ok, allez, on va s'approcher du vaisseau. On va voir si on peut lui faire un petit bisou. Bon, il faut pas le détruire. Hein. On y va chill, tranquille. Alors, on va ralentir. On coupe les gaz. Contacté. Oui, alors normalement mon personnage... Tu vois, regarde, c'est un signe du destin, Guillaume. Regarde comment s'appelle le personnage. Normalement c'est Petit Bébou, mais il a gardé que Petit. Voilà. Donc tu vois, t'es pas le seul. La commu, c'est bon pour nous tous. Ben oui, il a raison, Guillaume, c'est vrai. Ika, t'as fait la quête Mantis? Oui, j'ai fait la quête Mantis, j'ai récupéré ce costume dégueulasse. Hein, bon, avec des stats plutôt sympas, mais le costume est dégueulasse. Hein, voilà, vraiment, on dirait une mouche. Et Guillaume, mon avis sur le jeu, j'ai à peine joué, l'ambiance est géniale, si tu adhères au genre. Oui, effectivement. Effectivement. Comment ça se passe sur ce Starfield? C'est bien, il y a beaucoup de critiques, mais je ne connais pas. Alors... le jeu est pas mal critiqué, effectivement. Le jeu vient de sortir. Donc, bon, laissons un petit peu aussi les devs améliorer certaines choses. Après, ça gâche pas l'aventure, la synchro lingual qui est craquée au sol.
Bon, c'est pas grave en soi, c'est pas méchant. J'ai pas eu de bug majeur. Bon, sauf tout à l'heure en lançant le live, mon personnage n'avait pas de tête. Voilà, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas méchant, hein. On est allé dans le menu, on est revenu. Hop, elle avait récupéré sa tête. Magie! Donc, voilà. Mais sinon, le jeu est plutôt sympa. Ça donne envie de découvrir le reste. Ça donne envie de savoir. Il y a beaucoup de choses à... C'est du Bethesda, hein. Donc, si t'as fait Skyrim, bon, bah, tu commences une quête, on t'en propose une autre, on te dit, ah, tiens, machin, il y a bidule, il y a truc, il y a... Ok, donc, bon, je pense qu'il y a une bonne grosse durée de vie. Après, à voir sur la trame principale, ce que ça donne, hein. Je peux pas trop me prononcer là-dessus. Mais sinon, moi j'aime bien pour le moment, vraiment. Je passe un bon moment dessus. Et perso, j'ai écouté les critiques, mais j'en ai pas tenu compte. Pareil pour moi. Voilà, j'ai le même avis qu'Oncle Phil. C'est vrai que je connais pas du tout, et ça m'énerve de voir un tas de vidéos sur YouTube qui massacrent le jeu comme si c'était la tendance du moment. Alors, il fait partie des top tendances et la tendance de massacrer des jeux, c'est la tendance aussi. Donc bon, j'ai envie de dire, moi je fais comme Oncle Phil, je me fous je me fie pas en fait à ce que disent les gens, je me fais mon avis moi-même. Comme ça, au moins je suis tranquille. Exactement cette tendance actuelle ne sort par les yeux. Voilà, il a raison. Si tu laisses porter par l'histoire et les possibilités, tu passes un bon moment. Voilà, bah je crois que Phil a tout dit, clairement, Phil a tout dit. Vraiment. Bon, en fait, parce que j'ai vu un petit message là, Eden, comment ça va? Ça va mieux, machin. Qu'est-ce qu'il y a, Eden? T'étais malade? Qu'est-ce qui se passe? Mince, il était à deux doigts de le donner. Non, Guillaume, enfin, voyons. Voyons, je vais pas donner le sous-briquet que me filait ma mère quand j'étais gosse. Et même, moi, même maintenant, hein, j'approche bientôt de mes 42 ans, là, dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Donc voilà, ça va vite arriver, hein, le 3 octobre. On fera peut-être une soirée spéciale le 3 octobre, ça dépend quand est-ce que ça tombe. Faut voir quand est-ce que ça tombe. Mais on fera peut-être une soirée anniversaire, on fera peut-être un truc, un jeu one-shot, une connerie. Mais voilà. On a plusieurs propositions donc, pour s'identifier au vaisseau. Allô, ici, petit. Vous pouvez répéter, parce qu'on a entendu juste des... Donc voilà, oui, je fais très bien la communication biaisée. Je vous capte mal, pouvez-vous changer de fréquence? Ou alors quoi? Ils ont dit qu'il fallait qu'on soit tranquille. Alors, tu es balance? Ouh, eh bien évidemment, je suis du signe de la balance, mon Guillaume. Je suis sûr que tu es balance aussi. Vous pouvez répéter la question? D'accord, inutile, ça ne fonctionne pas, je vais tenter une procédure d'amarrage, on parlera à bord. Je ne comprends rien, vous m'entendez? Vous avez un problème d'émetteur, y a-t-il un problème? Avez-vous besoin d'aide? Alors. Ah. C'est moins saccadé, ça fait moins... Balance en force! Alors, Ika qui est né 2 jours avant ma maman. C'est beau. Oh, c'est mignon tout plein. Les balances en force, bah oui. Balance en force. Oh, oh putain. Oh. Je vois que vous aussi, vous êtes des champions des blagues. Hein, voilà. Bah, je crois qu'elle allait pas bien, Eden, sur le poisson live de Yo-Yo. Oh! Eh ben, je veux voir un maximum de cœurs pour notre petite Eden. Voilà, mettez des cœurs dans le chat, s'il vous plaît. Hein, même si on est que 6, c'est pas grave. Mettez des petits cœurs pour... voilà, ça lui fera plaisir. Surtout si elle revient sur le live, les petits cœurs, ce sera pour toi, Eden. Voilà, c'est pour te faire plaisir. C'est mon anniversaire aussi, le 3 octobre. Vrai de vrai. T'es sérieuse, Nat? T'es née le même jour que moi? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la modératrice de la chaîne Ika In-Game est née le même jour que le streamer en lui-même. C'est incroyable. Le 9 octobre pour moi. Putain, mais... C'est un live de balance. C'est un live de balance. Guillaume, si tu me dis qu'on est balance, alors là, je pète un câble.
Normalement, j'aurais dû naître le 5 octobre, le même jour que ma mère, donc techniquement, je suis balance. Mais je suis né en août, donc non, je suis vierge. T'es viré. Voilà, t'es bien. Je plaisante, évidemment. Ah bah, c'est pour ça que je m'entends bien avec, avec toi aussi. Bon, putain, mais il y a des balances. Je pensais que ma vie, en fait, n'était qu'un aquarium, puisque autour de moi, j'ai quasiment... Ouais. Ma mère est poisson, mes frangines sont enfin ma sœur est poisson, j'ai des amis à moi qui sont poissons, j'ai un couple d'amis, c'est des poissons. Ma vie est un putain de bocal, vraiment, ma vie est un bocal. Donc heureusement, voilà, il y a des balances qui sont là. Le 9 pour moi, oh là 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 là, magnifique, magnifique cette commu, incroyable, incroyable. Et oui, ah bah écoute, c'est plutôt cool. Voilà, on fera un petit live spécial anniversaire et on fêtera ton anniversaire. En même temps, ma petite natte. Alors, voyons voir ce qu'on va pouvoir leur dire. On va fonctionner de façon procédurale. On va pas les accoster comme ça de suite. On va vraiment essayer de faire, bon, si eux ne peuvent pas communiquer, enfin, ne peuvent pas nous répondre, ils nous entendent, puisqu'on a un choix de réponse multiple. Donc là, on va leur dire, vous avez peut-être un problème d'émetteur. Donc, et on entend que les bruits sont un peu différents. Donc là, je vais... Voilà, façon procédurale. Et c'est, vous voyez, c'est un peu bizarre. On va créer une tendance. Balance ton stream. Balance ton stream. Allez. Je sais pas si j'ai bien fait. On va s'amarrer au truc. Suspense. Bel amarrage, rien à redire. Oui, bah écoutez, on s'est beaucoup entraîné. C'est faux. Voilà, après avoir littéralement arraché un point d'ancrage sur un autre vaisseau, voir le live précédent. Voilà, maintenant on sait comment on fait. Alors, allez, on se lève. On va être prudent. On va y aller armé et équipé au cas où. Alors, hop. Puisqu'on ne sait pas ce qui se passe dans ce vaisseau. On n'en a aucune idée. Donc, soyons... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la Mantis en légendaire. Et on a celle-ci qui est quand même... allez, on va prendre la tenue de chasseur de primes. Le sac. Le casque. Voilà, on va prendre le Mantis. Ok. On fait très très peur. Hop, vue FPS, on sait jamais. Hop. On va quand même équiper certaines armes. Ce serait... Je pense que c'est judicieux quand même. On va passer sur les armes toutes modifiées. Alors, inventaire, armes. Alors... Donc ça, non. Ça, c'est un fusil de précision, donc c'est un peu compliqué. Alors, on va le mettre là. Lui, pareil. On va le mettre là. Ce petit gun là, on va le mettre là. Et ça, on va le mettre là. Ok, les soins. Ok. Voilà.
On y va direct avec prêt à tirer de la grosse chevrotine bien sale. Vraiment. Rien que le fait de pouvoir faire l'aventure en première ou troisième personne, juste top. Oui, c'est oui, clairement. Bah c'est Bethesda, hein, comme dans Skyrim, hein, clairement. Et moi dans Skyrim, j'adorais jouer justement dans ce mode-là. Pourquoi ? Parce que j'étais énormément à l'arc, clairement. Petit conseil. Alors attention, petit conseil de Max. Petit conseil, dès que tu peux, fais la mission Paula, où tu deviens flic. Flic galactique, Ika, policier de l'espace. Pam pam pam. Ok, alors. J'imagine que oui. Vaisseau non identifié. On y va, on sait pas sur quoi on va tomber, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je vais peut-être faire une petite sauvegarde avant quand même. La musique déjà ne me rassure pas du tout. Vous savez ce genre de musique, c'est avec beaucoup d'accords, de trucs comme ça. Ouh là là. Perso, je préfère la première personne. C'est... J'aime bien aussi. Bon, toujours les temps de chargement, hein, évidemment. Ok. Ouais, la musique là, je sais pas pourquoi, mais voilà, petite sauvegarde. Ouais, voilà, il a fait la sauvegarde, ok. Alors, on essaye de voir si, hein, si vous voyez des détails, genre des effusions de sang, des traces de sang partout, hein, n'hésitez pas à le dire. Vous mettez tous des petites mains comme ça, genre stop, stop, stop. Comme ça, je verrai. S'il y a des petites mains qui pop dans le chat, je m'arrête direct. Hein. Déjà, il y a des gens. Gardez votre calme. Nous n'avons aucune raison de nous attendre à une quelconque hostilité. Je suis d'accord avec notre capitaine. Nous devons faire preuve de diplomatie. Je pourrais le comprendre. Mais nous devons également être parés à toute éventualité. Alors, toi, tu attends ici. Alors, toi, tu attends ici. Clairement. Je serai juste là. Voilà, je voilà. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des trucs bizarres, madame. Un humain ? Alors, ils ont dit qu'il fallait être diplomate. Ika, soit diplomate, ne commence pas à sortir la carte du sarcasme. Tu vas tomber sur un bonhomme gonflable à l'accueil. On ne troll pas. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait, Guillaume ? Fatality. Hop, on lève les mains. Ça va, c'est des humains. C'est des humains, ça va. Donc, on a dit, il faut être diplomate, parce qu'on l'a dit sur le premier live, mon perso, je l'adapte un peu à mon caractère. Hein. Donc, certes, c'est une belle demoiselle, une jolie petite requine aux yeux verts, mais si elle a... Si vous n'avez plus besoin de moi, j'ai un vaisseau à diriger. Pour des gens en galère, t'as l'air quand même vachement sereine. Hein. Alors, évidemment, je suis un humain. J'imagine que vous attendiez à autre chose. Un humain, bah oui, pourquoi ? Y a-t-il d'autres options ? Vous voyez bien que je suis un gros monstre avec plein de tentacules. Le sarcasme, oublie. Attendez, vous êtes quoi ? D'accord, stop. Nous ne nous attendions pas à rencontrer des formes de vie et encore moins des humains. Nous pensions être les seuls à avoir quitté la Terre. Imaginez perdre tout contact avec le reste de l'humanité pendant si longtemps. Ça doit être effrayant. Peut-être pourrions-nous nous présenter ? Bien sûr, c'est l'usage. Je suis le capitaine Diana Brackenridge. Voici l'officier Bowman Irida. Et le docteur Mabuti d'Acosta, l'un de nos aînés. C'est un plaisir de vous rencontrer. Il y en a un qui a compris que j'étais là. Ah bah ça a été, t'as compris. Je m'appelle Petit, je suis là pour vous aider. Je m'appelle Petit, Bibou, Petit Bibou. Attendez, ne me dites rien, vous allez me demander un énorme service. Oui, oui, écoutez-moi, je viens juste pour aider les gens de la planète dans deux... D'accord. C'est quoi ce vaisseau ? Alors, ok, on va
Diplomatie. Très bien. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en difficulté. Notre vaisseau a enfin terminé son voyage de 200 ans depuis la Terre, mais notre planète cible semble être colonisée par... Eh bien, on ne sait pas quoi. Nous n'avons pas réussi à établir une communication. Vous arrivez donc à point nommé. Peut-être que vous accepteriez de servir d'intermédiaire entre nous et... les autres ? Et les autres quoi ? C'est des terriens aussi en bas, qu'est-ce que vous foutez ? J'adorerais en savoir plus, mais pourrait-on discuter ailleurs que dans le SAS ? Pas con. Comme ça, ça nous permet de voir le vaisseau. Vous savez, ces autres sont des êtres humains. Ils étaient là avant vous. Je vais être honnête, vous m'en demandez beaucoup. Je crois pas. 200 ans, quand même, vous avez fait pour, j'imagine, de cryostase. Vous êtes au courant, donc, pour les gens de la surface. Comment vous avez fait pour survivre pendant 200 ans ? Oui, non, mais il y a deux fois la même truc. Alors. Allons nous installer ailleurs. Oh oui, bien sûr. Où sont passées mes bonnes manières ? Apparemment dans tes poches. Veuillez me suivre. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Nous en discuterons davantage lorsque nous serons sur le pont. Diplomate, quoi ? Hein ? Est-ce que je m'en sors bien niveau diplomatie ? Ça va, hein ? Vous pouvez regagner vos quartiers si vous le souhaitez. Merci, capitaine. Je vous suis jusqu'au pont, madame, pour votre sécurité. Hey, ils ont dit diplomate. Lâchez-moi ces flingues, la bande de tarés. Ça va pas, non ? Dis donc, espèce de mal élevé. Bon, c'est vrai que quand tu vois un mec débarquer comme ça, bon, en même temps, ils savent pas que je suis une jeune femme. Donc, du coup, inventaire, on va se mettre, voilà, hein, en chilou. Hop, voilà, et on va mettre combinaison. Oh ! D'accord, par contre, le bas est toujours aussi dégueulasse. Hein. Allez, on se met en décontracté, façon Hélène Ripley. Voilà. Allez. Regardez-moi comme elle est. Les types. Ah merde. L'éclairage ne met pas en valeur mon personnage. Attends avant de jacter. Astéroïdes, guerre nucléaire, pandémie mondiale et autres. Chaque scénario concluait à une probable extinction massive dans les 50 ans. Ils croyaient fermement que la Terre était vouée à devenir inhabitable. On est parti du principe que c'est ce qui a fini par arriver. Madame, tu parles dans le vide. Alors il a rassemblé les plus grands esprits qu'il a pu trouver et il a construit le Constante et a mis le cap sur cette planète. Il s'agissait apparemment du vaisseau le plus grand et le plus avancé jamais construit sur Terre à l'époque. Croyez-le ou non, des générations entières sont nées, vécues et sont mortes sur ce vaisseau. Cela montre réellement que l'ingéniosité et la persévérance humaine n'ont pas de limite. Je vais peut-être remonter un peu le son des dialogues, parce que, bon... Audio, musique, je vais la descendre un petit peu, voilà, et je vais remonter un peu les voix. Voilà, bruit de pas, on s'en fout. Voilà, hop, voilà. Voilà. C'est pas parce que notre équipement est vieux qu'il ne peut pas s'occuper des gens mal intentionnés. Ça va pas, non ? Qu'est-ce qui t'arrive, oh ? Je suis un invité à bord, là. Dis donc. Nos règles sont très strictes, mais elles le sont pour une raison. Ouah, cette salle de contrôle ! Dehors, les choses vont devenir plus intéressantes. Ok. Bien, nous y voilà. Discutons un peu. Peu importe le résultat. Je ne laisserai pas tomber mon équipage. Ouvre la bouche pour parler, madame. C'est mieux. Alors, on dirait que vous avez besoin d'aide pour régler votre problème. C'est difficile d'être capitaine d'un vaisseau colonial. Comment se porte votre équipage ? Depuis combien de temps êtes-vous capitaine ? Non, nous on est là pour régler des problèmes. Hein. Marc Arnaud, le jeu est vraiment moche, non ? C'est Bethesda, hein, y a pas, il n'est pas si dégueulasse que ça. Mais il n'est pas encore super opti, j'ai envie de dire. Il n'est pas encore opti à donf.
Comme je vous l'ai dit, en tout cas, Marc, sois le bienvenu jusqu'à votre arrivée. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais puisque vous demandez, vous pourriez peut-être incarner une sorte de diplomate entre eux et nous et tenter de résoudre le problème. Est-ce que ça vous irait ? Le peuple de Paradisio veut vivre en paix, je vous aiderai. C'est des humains, hein. Vous allez tomber de haut, hein, vraiment. Hein. Ils pensent que c'est des extraterrestres. Non, c'est des humains. Merci, bonsoir. Où est la porte ? On dirait que vous essayez juste de refiler la partie difficile à quelqu'un d'autre. Ça dépend, qu'est-ce que j'y gagne ? Votre scène de communication. Voilà. Ils ont dit qu'il faut être diplomate. Diplomate. Hein, on oublie déjà le sarcasme, donc on va essayer de les aider comme on peut. Donc, on va partir sur votre système de communication ne fonctionne plus, vu que c'est le cas. Nous suspectons notre équipement d'être cruellement obsolète comparé à ce que vous utilisez maintenant. Uh-huh. En toute honnêteté, nous ne pensions pas devoir communiquer avec qui que ce soit. Du coup, notre matériel n'est pas spécialement robuste. Ça limite nos options. Nous avons même tenté de communiquer avec de la lumière et des sons. Nous avions vu cela dans un vieux film, mais ils ont dû passer à côté. Ils ont dû prendre peur plus qu'autre chose. Alors pour la référence, hein, c'est Rencontre du troisième type. Hein, si jamais vous avez jamais vu ce film-là, Steven Spielberg, c'est un film cultissime que je vous invite à aller voir. C'est dans ce film-là, bah, en fait, ils s'apprennent à communiquer avec les lumières. Bref. Comment te dire, madame, vous avez voyagé pendant 200 ans, vous arrivez près d'une planète et vous n'avez rien pour communiquer. Vous êtes con, vous le faites exprès. Comment ça se passe? En 200 ans, il n'y en a pas un qui s'est dit hey, on va peut-être mettre en place un système de communication pour parler avec d'éventuelles personnes qu'on pourrait rencontrer. C'est pas des flèches, hein, c'est pas les pingouins qui glissent le plus loin sur la banquise, ceux qui sont à bord. Hein. Alors, le peuple de Paradis, vous vivez en paix. Oui, vous avez autre chose à dire? Oui, oui, j'ai autre chose à dire, ta gueule. Allez. Ah, ils ont un nom. Paradiso. Et je suis ravie de constater qu'ils vous envoient vous entretenir avec nous. Nous avions l'intention de nous installer ici, mais nous supposons qu'ils comptent défendre leur territoire vu leur présence. Nous aimerions que vous alliez leur parler en notre nom et nous aider à négocier une solution, de préférence à notre avantage. Alors, j'accepte, mais vous devriez me dire quoi leur dire. Ouh, cette phrase est très bizarre. J'essaierai, mais la diplomatie requiert des compromis. Surtout avec moi. Bon, bref. Si vous avez un droit sur cette planète, comment d'autres ont pu-ils s'installer? Pourquoi ne pas chercher une autre planète? Allez. Excellent. Mais ne vous méprenez pas, cette planète est à nous et nous souhaitons qu'ils le voient ainsi. Alors parlez à leurs dirigeants et essayez de négocier une solution en notre nom. De préférence une solution qui va dans notre sens. Revenez me faire votre rapport et nous déciderons de la marche à suivre. D'accord. Et bonsoir dans la cave. Putain, il me semble que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, je crois. Mais en tout cas, ça fait plaisir de te voir débarquer sur le live. Et il arrive et il pose littéralement une blague. Hein. Salut, ça se passe. Richard Dreyfus. Mais oui, Richard Dreyfus qui d'ailleurs jouait Hooper dans Les Dents de la Mer. Paradisio, c'est cool en tout cas, t'as vu faire de belles photos de vacances. Oui, là pour le coup. Bon, on va les aider, mais on va quand même leur dire. Attends, parce qu'on a apparemment d'autres choix. D'accord, j'essaierai de les convaincre, mais je ne peux rien vous promettre. Vous avez perdu la tête, ils n'accepteront jamais une chose pareille. Porima, il est gigantesque. Pourquoi ne pas vous installer de l'autre côté, loin des autres? On va être pragmatique. Allons, allons, ne soyez pas défaitiste. Merci et bonne chance. Il n'y a pas un autre truc genre qu'est-ce que j'y gagne? Non? Non, même pas. Alors je veux juste regarder un truc. D'accord, des carnets de notes. Bon là c'est vraiment la salle de contrôle de base. Je vois pas de caisson de trucs. Ouais, je vais pas me mettre à voler les trucs. Alors, hein, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, c'est un peu comme dans Skyrim. Là, on peut voir donc que je cible un objet, mais
mais donc il y a la description du projet, la masse, la valeur. Mais vous voyez, il y a un petit carré rouge. Donc hein, c'est comme dans Skyrim, rouge c'est volé, blanc c'est tu prends, voilà, et puis voilà. Bonsoir dans le cas, bonsoir. Bah je joue tout le temps, c'est pour ça. Ah bah voilà, ok, ok, mais tu as bien raison. Les gamers hein, sont toujours des gens très occupés. Allez, on se tire. J'avais encore jamais vu un vaisseau comme le vôtre. Bah, en même temps, moi j'avais jamais vu un vaisseau comme le vôtre non plus. Hein, donc, mais si vous voulez, au pire, hein, le lâcher, hein, moi je le récupère. Hein, attention comme ça, avec votre arme. Je le vends direct. Besoin de voir ce qu'elle peut faire. Oui, oui, calme-toi, calme-toi. Hein, je vous rappelle que moi j'ai pas galéré pendant 200 piges, hein, donc hein, je veux pas être désagréable. Ah! Ah oui, mais ils sont une chier ces cons-là. Ah, regardez, en bas, la dame, elle joue à la Nintendo DS. Hop là. Ah ouais, mais il est stylé, leur vaisseau, en fait. Il est stylé. Allez. On n'a jamais été formé à faire face aux menaces venant de l'extérieur. Bah, en même temps, vous n'êtes déjà pas capable de mettre en route un système de communication lambda. Ah, c'était par là, voilà. Hop là. Alors moi j'ai le sens de l'orientation de Rorono Azoro, donc je me suis déjà perdu. Je me déteste. Cherche des petits papiers avec des dessins dessus. Parfois il y en a qui donnent des perfs, genre porte 5 kilos de plus permanent, etc. D'accord. Je me demande comment vivent les gens au-delà de notre petite communauté. Au-delà de votre petite communauté, c'est vrai que si vous avez jamais vu d'autres gens, ça peut être galère. On fait un petit tour aussi en même temps. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est des ateliers et tout ça, d'accord. Ah, le mess. Et direction vers le hall. Ok, la cantine. Bon, est-ce qu'ils appellent le mess, hein, forcément. Okay. Essayez d'éviter les ennuis. Tu te calmes. Classroom. Ah bah voilà, attends. Alors. Ah, il n'y a qu'un seul choix, c'est... D'accord. Ah, j'avais cru Valor. J'allais dire, putain, ils ont pris le... Ils ont fait un clin d'œil. On va faire un truc. Hop. Hop. Ah. Est-ce qu'on peut pas gruger pour aller plus vite? Hop. Tac. Non, on peut pas gruger. On peut pas gruger, d'accord. À moins qu'on essaye une autre technique. Tac. Donc hop. Hop. Ah d'accord. C'est parce que d'accord, on transporte encore trop de choses. Vivement qu'on trouve un magasin vraiment qui est du pognon, hein, parce que là on est allé sur Paradisio, on a fait un magasin, on les a ruinés en 2 secondes, vraiment, on les a ruinés, mais ruinés de chez ruinés, hein, on a littéralement pété la banque. J'ai parlé de vous, mais vous voilà en vrai. Oui, calme-toi, je ne suis qu'une personne, hein, calme-toi. Hop. D'accord, c'est les chiottes. Il y a une porte à ouvrir, hein, où il faut pas y aller parce que c'est des chiottes. Qui sait qui y va? J'y vais. On n'a jamais été formé à faire face aux menaces venant de l'extérieur. Hop. Ça c'est les quartiers, l'élévateur. Hop. Oula. Ça c'est l'élévateur, mon petit pote. Choisir l'étage. Étage du commandant, résidence, la maintenance. On s'en fout. Constante est un vaisseau pacifique et on veut
qu'il le reste. Ouais, bah calme-toi. Oui, d'accord, je me trimballe avec une arme, mais tout va bien. Les quartiers. C'est vraiment bon de se dire qu'on est pas seul. En restauration. Ok. On va aller par là-bas. Hein. J'ai vécu toute ma vie à bord du Constante. Bah, c'est bien. Ah merde, je reviens en arrière. Ça par contre c'est chiant, on n'a pas de tenue, mais par contre nos compétences physiques font que bah, tu galères assez rapidement. Bon là on est un peu en surcharge, c'est normal. Maintenant qu'on sait ce qu'il y a dehors, les choses vont devenir plus intéressantes. Qu'est-ce que c'est ici, tiens? Ah, ils se mettent bien. Ah, il y a un petit cerisier. Oh, c'est mignon. Ils ont un petit cerisier. Oh, c'est mignon. D'Acosta. Salle de sport. Ok, d'accord. L'objectif est pas loin. Ok, on va suivre. Hein. Okay. Ce n'est pas parce que notre équipement est vieux qu'il ne peut pas s'occuper des gens mal intentionnés. Oui, bah, détends-toi. Le mess, machin, hein, ok. Là, c'est ça, la sécurité. Essayez d'éviter les ennuis. Oui, bah, calme-toi. Putain, là, je tourne en rond. Ça y est, je suis en mode Rorono Azoro. Le jeu est inégal par moment en fait, mais globalement très joli. Oui, c'est il est pas parfait, hein, clairement. Il est pas parfait. Il y a quelques petits trucs qui font que bon, c'est un petit peu dommage, surtout sur la version française complète où la synchro là, elle est claquée au sol. Mais bon, ça va être, je pense, corrigé. Faut juste être un peu patient. Je le trouve pas moche. Non, il est pas dégueu, hein. Il est pas dégueu. J'ai trouvé aussi un gros clin d'œil à Alien, mais c'est vraiment par hasard. Il y a beaucoup de références. J'ai trouvé déjà quelques petites références. Attention avec votre arme, on n'a pas besoin de voir ce qu'elle peut faire. Oui, bah écoute, tu peux tester après, hein, mais on m'a dit qu'il fallait pas que je fasse le con. Alors. Le mess et le hall. Donc. Hop, voilà. Heureusement que vous n'étiez pas un genre d'alien. Hop, peut-être par là. Hop. Hop, c'est quoi ça? Plan B, machin, hein. Ah, peut-être par là. Voilà. Encore vu un vaisseau comme le vôtre. Voilà, on a réussi. Allez, partons d'ici. Très bien, allons-y. Ah, les petits temps de chargement, comme ça, quand vous discutez avec vos compagnons. Allez, on retourne dans notre vaisseau, on retourne donc sur la planète, il passe, c'est correct, oui, mais c'est... de toute façon, ça a toujours été ça. Rappelez-vous, quand Skyrim est sorti, moi je l'ai acheté Day One, mon Dieu, mais le nombre de bugs, il est en le nombre de bugs qu'il y avait entre les PNJ qui étaient donc à l'horizontale, et qui traversaient la map en suivant le relief, les dragons qui volaient à l'envers, t'arrivais dans une ville, tous les PNJ étaient dans les airs. Souvenez-vous, hein. Ika rentre dans un vaisseau, 2 heures après, il ressort du vaisseau. Hein, si les gens qui me connaissent me surnomment Zoro, hein, c'est pas pour rien. Hein. Moi, je suis Rorono Azoro, je suis capable de me perdre alors que c'est une ligne droite. Hein. Voilà. Il y a une ligne droite, il y a une porte en face. Moi, je pars dans l'autre sens. Hein. Voilà, Zoro. Vraiment. Ok, allez. On va se mettre aux commandes. Hop. Il y a des petits plans qui sont sympas. Même, regardez la tenue du personnage. Il y a des petits clins d'œil. Il y a plein de petits clins d'œil. Alors, désamarrer. Voilà. On fait ça chill, tranquille. Pépère.
ça aurait pu être très très cool, hein, comme imaginez ce genre de jeu-là. Bon, alors, il y en a qui vont me dire « Ah ouais, mais moi j'ai un jeu en tête. » Oui, je sais, vous allez tous me sortir le même nom du jeu, Star Citizen. Mais vous vous imaginez pouvoir jouer à un jeu dans le même style, un peu moins lourd que Star Citizen, mais où, en fait, on peut tous jouer et tous avoir un rôle spécifique et avoir une vie communautaire dans un vaisseau. Ce serait énorme. Ce serait énorme. Alors, je sais qu'il existe des jeux comme ça, hein, mais ça pourrait être vraiment cool. Allez, voilà, regardez-moi ça. On s'est désarimé tranquille. On s'écarte tranquille. Voilà. Et on va aller... on va retourner sur la planète. Oh, la poussée, contrairement à l'autre... à l'autre vaisseau. Alors, hop, normalement, nous, c'est par là. Allez, hop là. Donc, bah non, c'est pas là qu'on veut atterrir. Hop, on tourne. Voilà. Nous, c'est là qu'on veut aller. Allez, configurer l'atterrissage. C'est parti. J'ai éteint la clim, moi ? Oui, j'ai éteint la clim. Hop. Ouais, des fois, j'ai tendance un peu à oublier, hein, que... Pas oublier la clim, ça serait dommage. S'il pouvait sortir un mode coop sur Starfield, ouais, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, hein. Moi, ça me ferait triper, en tout cas. Hein. Ça me ferait triper. Ah, bon, par contre, des fois, c'est... Bon, les temps de chargement, des fois, c'est un petit peu long, j'avoue. Et le fait que ça saute ou que ça saccade des fois le temps que l'interface se charge, etc. Bon, ça, c'est pas... Il y a pire, hein, franchement. Ah ouais, on est sorti du vaisseau direct, les bagages et tout. Ah, c'est pas les nôtres. On va bientôt le savoir. Ok. Allez, on va les jacter avec les autres, là. Ah, j'ai loupé le... Ah bah oui, elle est là. Ok. On va aller discuter avec eux. Je sais pas ce qu'ils vont leur dire. C'est une station... Enfin, c'est une... Je dirais pas une station balnéaire, mais pas loin quand même, puisque les gens viennent là pour prendre leurs vacances, pour passer des vacances. Je pense que d'ici à 3-6 mois, on pourra vraiment apprécier le jeu avec les correctifs, etc. Oui, je suis complètement d'accord. Je pars toujours du principe que faut laisser sa chance au jeu. Maintenant, malheureusement, on vit dans un mood où j'ai pas dit, je me suis pas trompé, hein, j'ai bien dit dans un mood, hein, j'ai pas dit, c'est pas que je me, vous m'avez compris. Maintenant, on achète des jeux qui ne sont pas terminés. C'est comme ça, c'est comme ça. Entre la pression des joueurs, des communautés, des développeurs, des voilà, on sait très bien que maintenant on a des jeux qui sont pas finis. C'est pas comme si on n'était pas au courant. Hein. On voit bien que les jeux sortent et qu'ils sont si pas vous parfaits. Avez besoin. Vous êtes là pour prendre un peu de repos. On n'est plus, dans l'époque où t'achetais ta cartouche de Super Nintendo ou ton jeu de PlayStation ou de Mega Drive ou de Saturn ou de Dreamcast ou peu importe, et ton jeu tu y jouais parce qu'il était fini. Ça, c'est terminé, ça. C'est fini. Il y a très peu de jeux maintenant aujourd'hui qui sortent où t'achètes ton jeu et le jeu est complet. C'est très rare. Ok. Qu'est-ce que tu... Ah, d'accord. D'accord, il est en train d'essuyer le sol. Si jamais le conseil de Paradiso est en réunion, vous pouvez compter sur moi pour lui transmettre un message. Ça raccroche. C'est mon plaisir de satisfaire tous les besoins de nos clients. Madame, il n'y a pas le son. Ah, vous voilà. Je peux vous laisser entrer si vous avez fait ce que vous aviez à faire, mais dans le cas contraire, merci de ne pas déranger les membres du conseil.
Tout est prêt, je veux rencontrer les membres de la direction. Comment c'est de travailler pour Paradisio? Comment ont réagi les gens? Pas de soucis, amusez-vous bien dans le bassin aux requins. Ne vous inquiétez pas, même eux l'appellent comme ça. Et tu te crois drôle? J'aime bien parce que à l'accueil, vous voyez ce qu'il y a derrière? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a derrière? Il y a un flingue. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quelque chose. Ah, excuse-moi, j'ai failli te marcher dessus, monsieur. La sécurité de Paradiso est là pour vous protéger. J'ai juste l'impression que nous devrions nous concentrer sur la beauté naturelle de cette planète, pas sur nos aménagements. Il y a des millions de planètes. La salle de réunion est plutôt chill, hein. On peut aller sur n'importe laquelle d'entre elles. Les complexes hôteliers sont précisément ce que nous apportons aux gens. C'est même la seule chose que nous ayons vraiment à offrir, pour être honnête. Je veux juste éviter que nous devenions une simple décharge artificielle de plus comme Néon. Ce n'est pas qui nous sommes. On tient quelque chose de spécial ici. Nous devrions embrasser cette vision. Ah, je peux même pas lui parler. Je suis trop loin, quoi. Merci. Je... Nous ne voulons pas entrer en compétition avec Néon. Bayou est impitoyable. Néon, Bayou... Pour éliminer ses concurrents. Nous n'avons pas besoin de ce genre de problème. Arrête de jacter. Oh putain, la vache. Si ce n'est pas important, parlez-en plutôt à Kiwi. Si ce n'est pas important, eh dis donc, je viens de me farcir tout le boulot, là, des allers-retours et tout ça, donc tu vas prendre deux temps, tu vas prendre déjà deux temps, hein, calme-toi. Il paraît que c'est vous que je dois voir au sujet de cet étrange vaisseau en orbite. Alors, il n'y a vraiment que trois directeurs, pouvez-vous m'en dire plus sur Paradiso? T'as cru que c'était une secrétaire ou... Ce complexe n'est pas placé sous l'autorité des systèmes occupés, c'est bien ça? Oh, il y a de la magouille. C'est moi en effet, et vous devez être l'émissaire dont Jérôme a parlé. Je vous souhaite la bienvenue. Mais vous connaissez le nom de famille de Jérôme? Nos amis Jérôme extraterrestres sont coincés là-haut. Il s'appelle Phare. Très mauvais pour notre station. Ça vous plaît? Je me déteste. Vraiment, c'est une idée du département marketing. Puisque nous ne pouvons pas nous débarrasser d'eux, l'idée serait d'en faire une attraction touristique. Venez voir les extraterrestres. Heureux, ma petite Eden, comment ça va bien? Désolé, trompé de destinataire. Bah, j'ai pas vu. J'ai eu un bug, là, mais c'est pas grave. Ah, enfin, nous dit ma petite Eden. Bon, en tout cas, j'ai cru comprendre hein, que c'était pas la grande forme, ma petite Eden. Sache que on t'envoie plein de bisous, plein de petits cœurs. Hein, j'espère que ça va bien, que ça va mieux. J'ai pas vu la rediff du live de Yoplait. Donc, j'ai appris via Guillaume tout à l'heure qui nous disait que c'était pas trop la forme. Donc, j'espère que ça va mieux, que tu vas bien, pitou. Et on t'envoie évidemment plein de bisous. On t'a mis des petits cœurs rien que pour toi dans le chat tout à l'heure. Voilà. Phare, bah oui, Giro Phare. Vous ne vouliez pas discuter? Oui, bon, bah ça va, je discute avec mon chat là, alors tu te calmes, monsieur. Alors, passons aux choses sérieuses tout de suite, c'est honteux, vous savez parfaitement que c'est un mensonge. Mais oui, bien sûr, c'est du pur génie. Les gens n'avaleront jamais un truc pareil, pourquoi êtes-vous si pressé de régler le problème? Alors, attends. On y va tranquille. On essaye de la jouer tranquille. Vous ne voulez pas tourner autour du pot, j'aime ça. Alors, que pouvez-vous me dire sur ce vaisseau bizarre qui affole tout le monde? Ils sont là pour vous tuer. Non, j'éconne. C'est un vaisseau générationnel rempli de colons venus de la Terre. Ils ont voyagé 200 ans. C'est un vaisseau terrien délabré, rempli de colons coincés qui pensent que cette planète est à eux. Des colons du vieux monde qui désespèrent de se poser après 200 ans de vol. Ils sont vulnérables. Oula, j'aime pas trop te donner cette info-là. Et si je vous disais que c'est vraiment un vaisseau extraterrestre venu pour détruire la planète? LOL! Alors, j'aime pas trop la troisième. Genre, des colons du vieux monde, désespérés, machin. Et surtout la fin de la phrase. Ils sont vulnérables. Là, non. Non. Parce que si jamais ils tirent dessus, l'autre, je lui fais péter le cabochard. Alors, merci, Satoshika. Mais de rien, c'est normal. Mais le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Je suis armé jusqu'aux dents, monsieur, donc ferme-la. Alors ça, c'est pas banal. Ouais, c'est pas banal. Dommage qu'on puisse pas simplement leur dire d'aller gentiment voir ailleurs. Quelque chose me dit que ça ne marchera pas. Maintenant, dites-moi, comment allons-nous réagir? Je veux des propositions, messieurs, dames. Donnez-moi une base de travail. Nous pourrions leur proposer de s'établir ici,
Ce n'est pas la place qui manque. Voilà quelqu'un de bien. Il pourrait rester ici, temporairement. Mais ce ne sera pas gratuit. Loin de là même. S'ils veulent repartir un jour, ils devront travailler pour rembourser leurs dettes. Non mais oh. Peut-être pas. Et si nous les aidions à partir? Nous pourrions équiper leur vaisseau d'un astromoteur et leur permettre de trouver un nouveau foyer. Voilà quelqu'un de bien. Il serait même possible de leur prêter des mécaniciens et de donner une carte stellaire récente à leur capitaine. Qu'en pensez-vous? Ça semble coûteux. On ne peut pas assumer des dépenses pareilles et ils n'ont certainement pas les fonds suffisants. Ni la monnaie adéquate d'ailleurs. Quelqu'un d'autre devra payer la facture. Entre nous, ce serait quand même plus simple s'ils disparaissaient purement et simplement. En tout cas, Sima est sur la bonne piste. Les deux solutions se valent. Dites-moi simplement ce qui vous convient le mieux. Alors, je pense que j'ai pris ma décision. Donc, ils peuvent vivre ici, mais ils seraient réduits en semi-esclavage. C'est complètement ça. Attendez, c'est moi... Attendez, c'est moi qui vais devoir payer l'astromoteur. Pourquoi? S'ils disparaissent, vous me suggérez de détruire le vaisseau, c'est ça? Bah, c'est un peu ça, hein. C'est de façon un peu... Hein. Pourquoi ne pas faire appel aux autorités? Ils ne pourraient pas s'installer de l'autre côté de la planète, par exemple. J'aime bien la quatrième. Nous sommes les propriétaires ici, pas eux. À Paradiso, on ne laisse pas les choses au hasard. Qui sait ce que ces gens font de leur terre? Imaginez un peu les désastreux changements qu'ils pourraient opérer sur les paysages et ainsi ruiner les images satellites de la planète dans nos brochures. Non. S'ils viennent ici pour rester, il vaut mieux les intégrer et les assimiler dans notre culture. C'est moins risqué. Alors, je vous comprends, je comprends du point de vue commercial, mais je désapprouve. Vous avez sûrement raison, ces champs pourraient gravement nuire à vos affaires. Absurde ou pas, c'est notre position officielle. Je prends les décisions les plus sûres pour notre groupe, pas vous. J'ai bien envie de le... Parce qu'ils sont pas clairs. Ils sont pas clairs du tout. Je pense que là, si on fait appel aux autorités, je pense qu'ils vont un peu chier dessus. Allez. Nous n'opérons pas sous la tutelle de Liberastra ou de Lucé. En partie parce que nous n'aimons pas qu'on vienne se mêler de nos affaires. De plus, nous voulons à tout prix éviter d'ébruiter cette affaire. Comme je vous l'ai dit, ça pourrait nous faire une mauvaise publicité. Nous préférons régler ça en interne. Ok. Ils sont pas clairs. Hein. Ils sont pas clairs. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça dit dans le chat. Je viens de lire ton message, Guillaume. Ça va un peu mieux, merci. Mais j'étais pas là au live de l'Oplay IA. Ah, ok, d'accord. Ah, Eden, cool alors. Oui, ça doit être Gwen qui m'en a parlé sur le live de Yoplay. Ah, ok, sorry. J'espère que je vous ai pas dérangé avec ça. Mais non, tu déranges jamais, ma petite Eden. Enfin, voyons. On est une petite communauté soudée ici, hein, évidemment, si on peut apporter, ne serait-ce qu'un... Vous savez, des fois, juste un petit mot comme ça d'encouragement, j'espère que ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller, machin. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Vous ne vouliez pas discuter ? Donc, ça, ils veulent pas. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce serait un contrat mutuel assurant le gîte et le couvert contre service rendu. Bien sûr, il s'agirait d'un contrat à durée indéterminée. Qui sait combien de temps ils mettront à rembourser les sommes substantielles engagées pour leur accueil, en plus du gîte et du couvert. Malgré tout, cet arrangement permettrait de réduire les coûts opérationnels de la station balnéaire sur le long terme, car nous pourrions licencier une partie de nos employés actuels. Pardon, hein, je me retiens de pas dire un mot, mais... Je veux quand même être sûr, là. Cette dépense ne relève aucunement de notre responsabilité financière. Nous sommes déjà bien généreux de leur prêter gracieusement nos mécaniciens pour les aider à l'installer. Un astromoteur sur mesure est loin d'être bon marché,
et je doute fort qu'ils aient les moyens financiers ou les relations nécessaires pour se procurer une technologie pareille. Ceci nous laisse donc avec la seule autre partie prenante de ces négociations. Vous. Non mais, ça va pas la tête ou quoi? Je vais pas payer non mais si je paye un moteur comme ça, c'est pour ma gueule, hein. Non mais dis donc. Je veux bien être gentil, je veux bien aider les gens, mais si au milieu c'est moi qui me fais piner... Bah non, c'est juste qu'on était inquiet. Bah oui, c'est voilà, tout à fait. Donc du coup, voilà. Et quelle proposition allez-vous relayer à notre cher capitaine? Il y a bien capitaine, non? Oui, bah que je vais t'en mettre une et qu'on va vite régler ça en fissa. Je vais les convaincre de s'installer ici, je vais acheter l'astromoteur et les convaincre de s'établir ailleurs. C'est purement hypothétique, mais comment pourrait-on faire disparaître un vaisseau pareil? Et s'il continue d'affirmer que leurs droits de propriétaire sur la planète... Ils auraient bien du mal à avoir gain de cause devant un tribunal. Notre charte existe depuis des années et elle a été enregistrée auprès de Lucé et de Liberastra par la déclaration du Centaure. Nous sommes peut-être en dehors des systèmes occupés, mais cette charte est on ne peut plus officielle. Je suis désolé, mais vous allez devoir leur annoncer la mauvaise nouvelle. Ils devront accepter un compromis ou repartir d'où ils sont venus. Je vais essayer de les convaincre au pire de... Ouais, mais si je leur dis qu'ils peuvent s'installer ici, mais en contrepartie, genre ça va être clairement limite des esclaves. Faut voir. Ah, parfait. Je vous conseille d'aller voir Monsieur Bénus Saint-James, qui travaille chez Optech. C'est le meilleur dans son domaine. Si quelqu'un peut installer un astromoteur moderne dans un vaisseau deux fois centenaire, c'est bien lui. Nous demanderons à nos mécaniciens de se rapprocher de ces équipes à votre retour, mais vous devrez peut-être aider les techniciens du Constant à préparer le terrain de leur côté. Bonne chance. C'est une décision difficile, je le sais. Mais si ça peut vous consoler, je crois que vous avez fait le bon choix. Comparé à la destruction de leur vaisseau et à une vie de servitude, je dirais qu'ils n'auront pas de meilleure alternative. Entendu. Au nom du groupe Paradiso, je vous remercie pour votre aide. Cela dit, je pense qu'il existe un juste milieu. Peut-être pourrions-nous agrémenter les fronts de mer, ajouter un petit parc d'attractions. On est bien. Sur une première... On est bien. On a fait le bon choix. Construction de sous-sols artificiels. Ce genre de choses. Je regarderai la rediffusion. Mais évidemment, pas de problème, ma petite Eden. Prends soin de toi, repose-toi. Et reviens-nous évidemment en grande forme. Allez. Bon, finalement, on s'est plutôt pas mal débrouillé. On a essayé de prendre les infos qu'il y avait. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était des véritables... Hein. Donc, on leur évite la destruction de leur vaisseau, donc une mort assurée. Et on leur évite d'être des esclaves. Donc, du coup, en bon samaritain que nous sommes... On va essayer de négocier pour essayer de leur choper un moteur, quoi. Alors, voyons voir. Donc, si je fais ça... Optech. D'accord. Donc, il faut qu'on décolle. Ok. Il faut qu'on retourne au vaisseau. Oula, j'ai failli faire une connerie. On se calme. Allez. En plus, il y en a une qui a toussé. Il y a le coronavirus sur leur planète. Cassez-vous, ne restez pas là. Bon, comme quoi, tout le monde, il n'est pas gentil. Hein. Tout le monde, c'est pas un monde de bisounours, l'espace. Hein. Là, clairement, on a affaire à une grosse bande de fumier. Hein. Désolé du terme, mais bon, c'est comme ça. Merci, Ika, c'est gentil. Mais de rien, avec plaisir, ma petite Eden. Avec plaisir, évidemment. Évidemment. Toi qui viens sur les lives, hein, comme toutes celles et tous ceux qui passent par ici, voilà, apporter ta bonne humeur, tes petites blagues. Les petits mots dans le chat qui font rire tout le monde. Moi je suis très fier de faire partie de cette communauté là et je suis très fier de vous voir débarquer sur le live pour passer un petit moment avec nous. C'est quelque chose qui me fait plaisir parce qu'en plus on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Pourquoi? Bah évidemment, surtout pour cet événement là vous le savez, pour la plupart d'entre vous m'avez connu à faire des VOD, des vidéos. Et là, c'est vrai que depuis maintenant un petit peu plus d'un an maintenant, je fais beaucoup plus de live et ça me touche beaucoup de vous voir venir puisque vous m'avez aussi
très souvent connu en tant que modérateur, par exemple, chez Gaming Wiz. Moi, voilà, je fais ça, déjà, un, pour m'amuser, pour passer du temps avec les copains et les copines de la commu, mais aussi pour une seule chose, pas pour moi. Pour le GameStream Heroes, plus on sera nombreux sur cette chaîne, plus il y aura de monde qui viendront voir les lives, plus on pourra sensibiliser, évidemment, cette communauté et parler de l'événement et faire venir du monde sur cet événement, puisqu'on croise vraiment les doigts pour qu'il y ait un maximum de monde cette année. Je streamerai sur cette chaîne-là, que vous connaissez maintenant depuis un petit moment. Oh, elle a une tête qui fait peur quand elle est comme ça, là. Oh là là. Et évidemment, je serai également à l'animation sur la chaîne principale avec mes compères et mes complices. Mais c'est vrai que plus on est de monde sur cette chaîne, plus je peux vous sensibiliser à cet événement au profit de l'association Petit Prince. Donc n'hésitez pas, hein, voilà, si Nat, tu veux bien remettre le lien ou Max, hein, du GameStream Heroes. Vous avez aussi les réseaux sociaux. N'hésitez pas à être curieuse, à être curieux, hein, c'est pour la bonne cause. Chaque année, on met un événement en place. Là, cette année, ce sera du 27 au 30 octobre, diffusé en direct de Lyon, de l'XP School. Hein. On diffuse sur Twitch et sur YouTube, donc il y en aura pour les deux plateformes. Et on espère vous y retrouver nombreuses et nombreux. Allez, on décolle. On retourne voir les titis de l'espace, là. Alors, on est dans une zone safe, donc du coup, j'ai désactivé mon bouclier. Merci mon petit Max. Et notre ami, hein, Max Blaine, ici présent, hein, qui est le responsable logistique, hein, et qui supervise aussi la cuisine. Qui d'ailleurs, hein, a publié sur les réseaux sociaux. Hein, bon, j'ai remis un Twitter en route qui s'appelle, hein, c'est IK In-Game, vous ne pouvez pas le louper. Et j'ai remis aussi un petit TikTok, hein, pareil, qui s'appelle IK In-Game, où j'ai récupéré un clip qu'il a partagé. Il est juste énorme, ce clip. C'est un souvenir du GameStream Heroes de 2022. On s'était vraiment bien marré avec cette petite réplique, hein, qui était faite très très tard le soir. C'était sur Infernax, souvenez-vous, pour ceux qui étaient présents. Et c'est gros craquage, vraiment gros gros craquage. On s'était bien marré, vraiment. Allez, on va avancer encore un petit peu, on va aller s'amarrer. Voilà. Ah, peut-être avancer encore un petit peu. Ouh là là, on arrive vite. Allez. Puisqu'ils n'ont pas de système de communication. Merci mes petits motos d'amour. D'ailleurs, Ika, faut télécharger des trucs pour le GSH, du style des overlays, etc. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça va arriver, vous aurez les overlays, les scènes, tous les liens dont vous aurez besoin. Je pense que la technique va vous faire aussi un petit tuto. Mais vous aurez tout ce qu'il vous faut, ne vous inquiétez pas, mon petit Guillaume. Enfin, quand je dis ne vous inquiétez pas, hein, pour les streamers et streamers qui participent à l'événement et aux camarades de la commu, hein, qui participent, hein, y a Hero, il y a Théo Ardo, Guillaume Astus, Gaming Wiz, Silverwell et encore bien d'autres. Ne vous inquiétez pas, hein, il suffit juste, hein, d'être un petit peu, de temps en temps, vous passez sur le Discord, on vous donne les infos, parce que forcément, il faut aller aussi, faut faire la démarche de temps en temps, allumer votre Discord, aller faire un petit tour sur le Discord du GameStream Heroes, voir ce qui s'y fait, si vous avez des questions et que, par exemple, je ne suis pas là, Max est là également, vous avez Mouni et Gomolf, hein, que vous pouvez contacter. Ne vous inquiétez pas, il y a du monde pour vous répondre, mes petits loups. Mais effectivement, on vous fournira un overlay complet avec tout ce dont vous avez besoin. Ah d'accord, super, merci, t'as pas de rien, mon petit Guillaume, de rien, évidemment. Allez, on va poursuivre continuer. On va aller leur annoncer la nouvelle. Bon, je suis pas sûr qu'ils sautent au plafond, hein, clairement. Alors par contre, ils me disent « Oui, mais nous, vous rendez compte, on a voyagé pendant 200 ans. » Bah oui, mais pendant 200 ans, vous êtes un peu perdu quand même. Donc, je veux pas foutre la merde, mais bon. Hein, quand t'arrives et que t'essayes de communiquer avec des gens avec trois bouts de bois, un bout de ficelle, une bobine de scotch et un chewing-gum, j'ai envie de te dire qu'il y a un problème. Hein, vraiment, il y a un gros problème.
Allez, on charge, on charge, on charge, on charge. Le temps de charger, hein, le petit truc, je vais me prendre une petite bouteille d'eau. J'arrive tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je mets la petite pause, je reviens tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, on est de retour. On est de retour. Hop là, tac, 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 tac. Là, non mais dis donc. Le stream deck là qui me fait non, 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 non. Ok, allez. On est à bord du vaisseau, on va leur annoncer la bonne nouvelle. Hein ? Oh les gars, vous l'avez dans l'os. Faire preuve de diplomatie. Comment vous dire ? Bah vous l'avez littéralement tout au fond du fondement. Hein ? Nos règles sont très strictes, mais elles le sont pour une raison. Ok. Allez. On n'a jamais été formé à faire face aux menaces. Oui, bon, bah, vous n'allez pas être déçu du voyage. Un voyage qui a duré 200 ans pour vous prendre une tionnelle comme ça. Nickel, tout va bien. Ah, ils vont être contents. Ah, ils vont être contents, c'est moi qui vous le dis. Ils ne vont pas être déçus du voyage. Alors, hop, la salle de commandement, c'est par là-bas. Nos règles sont très strictes. Commandant Bay, ok. Tac. Donc, normalement, c'est par là-bas. Là, par là. Le Constante est un vaisseau pacifique. Oui, bah, je crois qu'il va vite devenir un vaisseau de guerre. Attention avec votre arme. On n'a pas besoin de voir ce qu'elle peut faire. Ah, capitaine, machin. Datée, c'est étonnant que ce vaisseau soit capable de naviguer. On a l'impression d'être dans un musée. Alors. Maintenant que vous êtes là, je peux enfin donner une chance à mon équipage d'avoir une nouvelle vie. Bah, c'est pas tout à fait ça, en fait. Comment te dire alors, on a plusieurs propositions. C'est difficile d'être capitaine d'un vaisseau colonial. Non, attends. Comment se porte votre équipage? Depuis combien de temps êtes-vous capitaine? Non, mais on s'en fout de ça. On va essayer d'adoucir un peu le truc. L'équipage est à bout, comme vous pouvez l'imaginer. L'idée de ne pas être seul est un peu angoissante. Et l'avenir nous inquiète. Nous espérons pouvoir trouver un terrain d'entente avec les gens à la surface. Mais il semble peu enclin aux négociations. Je ne sais pas ce que ça va donner. En revanche, je sais que nous ne pouvons pas nous permettre de rester en orbite pour toujours. Le vaisseau a été conçu pour subvenir à nos besoins pendant de nombreuses années et dispose de provisions de secours au cas où. Mais nous en viendrons à bout. Ah mais merde, je suis con! À la prochaine. Il fallait parler au mec pour le moteur. Ah, oh, je suis vraiment. Oh, je suis, oh, je suis le pire. Je suis le pire. Les choses vont devenir plus intéressantes. Je suis le pire. Vraiment. Tac. Tac. Je n'avais jamais encore vu un vaisseau comme le vôtre. Il faut dire que c'est le premier vaisseau que je vois. Oh merde, je commence à me repaumer, quel con. Non, fallait pas passer par l'ingénierie. Hop. Voilà. Essayez d'éviter les ennuis. Voilà. Par là. Ce n'est pas parce que notre équipement est vieux qu'il ne peut pas s'occuper des gens mal intentionnés. Hop. Tac. Hop là. Voilà. Ah merde, putain, je suis en train de faire demi-tour là. Je suis vraiment un con. Voilà, par là. L'escalier.
Ah mais on se perd de ouf dans ce vaisseau là. Salut. Putain, c'est pas par là. C'est pas par là. Oh, tous ressemblent en plus. Voilà, hop, par là. J'ai hâte d'en savoir plus sur le monde. Credouille. Nos règles sont très strictes, mais elles le sont pour une raison. Bah ça va, tu vas pas me répéter ça à chaque fois que tu me croises, change de disque. Le MES, Medical Bay, on s'en fout. Cargo Bay. Il y en a qui vient de cracher un vieux mot là. Par là? Non. Ah mais c'est horrible! C'est horrible comment je peux me perdre aussi facilement. Voilà. Je voulais dire un Roronoiseau. Direct. Câble zéro. Non, parce que voilà. J'ai une éthique, je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un voleur. Enfin voyons. Fallait parler aux gars avant sur la planète. Je suis vraiment un trou du cul. Et vous m'avez laissé faire en plus, hein. Vous m'avez laissé faire. Normal. J'ai pas le temps de faire une sieste avant de partir. Même pas, il y en a, il s'est dit mais il est con ou il fait exprès. Hein? Il y en a pas un qui a fait qui a mis des petites mains en l'air comme ça. Hein? Le petit signe de hey, gars, tu fais de la merde. Alors, désamarrer. Voilà. Donc en fait là on vient de leur donner un sursis en plus d'espoir. Bon ils l'ont clairement dans le cul. Hein. Je veux pas être à la Paradisio. Voilà, tac, hop, hop. Donc on va voir le gars pour le moteur. J'espère que ça va pas me coûter une blinde et que genre ils vont pas me demander de remplir des missions pour payer la facture. Parce que là, les quêtes FedEx c'est mignon 5 minutes quoi. C'est mignon 5 minutes. Parce que bon, on va quand même dans cette aventure. Il y a tout un tas de choix qui se posent à vous. Vous pouvez littéralement être le pire de tous. Mais vous pouvez être aussi quelqu'un de bien. On va quand même essayer d'être quelqu'un de bien dans cette aventure. Hein, parce que sinon, forcément... Si vous commencez à flinguer tout le monde, si vous commencez à détruire un petit peu tout et n'importe quoi sous prétexte que ça vous gonfle, vous allez vous mettre énormément de gens à dos. Et dès que vous allez prendre votre vaisseau, vous allez être poursuivi par des chasseurs de primes et tout le tralala. Donc ça va vite, vite, vite être la merde. Où est-ce qu'il est, machin ? Il va falloir aller causer... attends, par où on descend? Voilà, on descend par là. Donc, il faut aller causer... il faut aller causer à un gars. On va regarder les missions, si on peut les afficher, ce serait bien. Mission. Voilà, rendez-vous chez Optech. Alors ça c'est notre vaisseau. Il doit y avoir un autre point un petit peu plus loin. Alors où est-ce que ça va être Optech? Certains de nos clients pensent que tout est gratuit. J'ai vu des gens s'en aller avec des serviettes, de l'argenterie, tout ce qui leur passe par la tête. Tu vas me dire que... Fais voir.
vaisseau, machin. Ah putain, il faut que... attends, je suis où là? Oh non, pitié, pas ça! Ah ça va. Donc, pour aller ici. J'espère que... Putain, en fait, c'est... fallait bien décoller quoi. Putain. C'est même pas sur cette planète. Au secours! Au secours! Optech n'est pas sur cette planète. Non, j'allais faire une blague, j'allais dire Optech 2000, mais voilà. Pour ceux qui auront la ref. Hein. Optech 2000. On l'a dans l'os, c'est pas ici que ça se passe. Donc finalement, on n'était pas obligé d'atterrir là. Mais moi, je pensais hein, qu'on pouvait atterrir ici. Hein. Bon. Comme vous pouvez le voir, c'est faux. C'est rigolo quand même, ils mettent une façon d'édulcorer un petit peu le ciel de l'espace. De faire des trucs un petit peu chillou. Allez! J'espère qu'on peut renommer nos vaisseaux parce que franchement, il a un nom mais à coucher dehors le bordel. C'est bon d'être de retour à bord. Je crois que quand on est sur les tarmacs, on peut aller dans les options. Allez, hop. Donc, on décolle. Lancement de la phase d'initialisation du décollage. Allez, décoller. Let's go! Allez, youpi! Allumage des moteurs, c'est parti! Let's go! Let's go, les enfants! On décolle! Vers l'infini! Oh non! Allez, 3 jours pour charger. Objectif atteint. Orbite stable. Ok! Tac, hop, carte de navigation. Hop, nous sommes ici. Nous devons nous rendre ici. D'accord, donc, est-ce qu'on peut avoir un itinéraire? D'accord, donc il faut que j'aille à Voli, que je passe à Olympus. Allez, Voli! Evo! Evoli! Aïe! Calmez-vous. Je vois que vous êtes énervé. Vous êtes dissipé ce soir. Quoi? Hein? Moi? Je vois absolument pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas. Tout le monde dort dans le chat? Bah écoute, je sais pas. Hein, je pense qu'ils sont peut-être installés en mode chilou. Un peu comme je faisais quand je faisais la modération chez Gaming Wiz. C'est que cartographie stellaire, visiter 20 systèmes. Oh bonjour. Dans l'espace de la Confédération Libera Astra. Maintenez votre cap pendant que nous recherchons d'éventuels éléments de contrebande. Il y a pas de contrebande, je suis un mec clean. Enfin, je suis une petite anacline. Merci. Donc hop, on réduit les moteurs. Ouh, putain, il y a de la circulation ici. Hein. Ouh. Alors, nous sommes. Fais voir cette planète. Néon. J'ai les mêmes à la maison. Scanner. Oh, comment
comme on a scanné la planète comme... Oh là là. Tempéré, atmosphère 2, moyenne, voilà, tout ça. Je prends un café tranquille avec un pain au chocolat. Oh là là, tu me donnes faim là. Oh là là. Oh non, je suis un peu plus avancé que Ika sur la même mission. Ok. Alors, donc. C'est quoi ça hein? Structure. Structure mystérieuse? Un mystère mystérieux? Alors, direction Olympus. Allez. On met le cap. Olympus. Let's go. Sauter. En route. En route, Simone. Et tranquillou. C'est pas le matin, ça angle fil. Ah. Le saut a dû réussir. On est toujours en un seul morceau. T'es une comique, toi. Alors. Hop. Hop, hop. Un petit scan de la planète pour voir un petit peu. Hein. Ouh, mais il y a du monde, dis donc, là. Avant-poste industriel, machin. Hein. D'accord. Ok. Donc. Moi, je veux aller ici. Allez, on met le cap. Voilà, c'est là où nous devons aller. On fait le jump. En route. En route, camarade. Je me retiens parce que moi aussi j'ai envie d'un café là. Bien, vous nous avez pas craché sur une planète, donc on doit être au bon endroit. Alors, on t'a pas craché sur une planète, mais c'est... Appel à vaisseau inconnu. Ici colon en détresse. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Nous sommes des civils non armés ayant besoin d'aide. Merci d'avoir répondu. On a eu quelqu'un juste avant qui s'est astroporté sans même dire bonjour. Nous sommes avec... essayons de nous rendre vers notre nouveau foyer. Mais notre astromoteur est vieux, genre vraiment vieux, et j'ai bien peur qu'il ait rendu l'âme. Je vais pas, je suis pas la dépanneuse de l'espace. Donc il y a un moment, je veux bien être gentil, je veux bien rendre service, hein, mais si je dois ramener des astromoteurs à tous les clampins du coin, au bout d'un moment, voilà. Vous êtes donc coincé dans ce système, vous avez l'air dans un sacré pétrin. J'ai le pressentiment que c'est maintenant que vous allez me supplier de vous aider. C'est quoi le RCI? Alors, là pour le coup, on discute plus avec le vaisseau, donc je peux reprendre mon côté un peu sarcastique. Nous ne vous demandons pas la charité, nous avons des crédits. Nous avons un établi à bord, il nous faudrait simplement du fer. Beaucoup de fer. Ensuite, nous devrions pouvoir effectuer les réparations nécessaires. Vous en auriez par hasard. Nous vous paierons bien plus que la simple valeur du fer. Allez. Ça devrait être suffisant. Merci. Tenez, de quoi couvrir vos frais avec quelques intérêts. Avec un peu de chance, nous repartirons bientôt. 1500 crédits ajoutés. Voilà. On a fait une bonne action. Ok, alors. Donc, complexe robotique abandonné. C'est quoi ça? Station spatiale. Station spatiale. Voilà, moi je vais aller là, moi. Moi je vais aller là, moi. Rendez-vous chez Optech. Alors. C'est quoi ça? Alors déjà, hop,
Petit scan. Voilà. Complexe robotique abandonné. Récup unique en son genre. Environnement extrême. Complexe robotique. Ça sent la douille. Qu'est-ce que vous en pensez? Mort de rire, Rika, colère. Non, attends, tu te rends compte, toi? À chaque fois qu'on arrive dans un coin, faut remorquer machin, faut pas. Atterrissage engagé. Attention aux signaux. Alors, Ah non, mais je veux pas atterrir sur la planète. Moi, je veux aller au complexe robotique. C'est pas la même. Je vais aller au complexe, moi. Allez, initialise tout ça, là, et... Décollage immédiat. Tu vois que c'est quand même le... C'est du Bethesda tout craché, hein, parce que, bon, c'est pas toujours très, très, très précis, délire. Le seul truc que je regrette, c'est qu'on puisse pas voler un peu comme dans... Alors attends, hop. Hop, 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 hop. C'est quoi ça? Non. Ça, c'est une mission, donc non. On ira... C'est pas super précis, hein, votre truc. Peria. Avant-poste civil. Dépôt de carburant abandonné. Narion Station Spatiale. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ah, je pense que c'est ça. Allez, on y va. La clinique. J'ai décidé de venir en aide à l'ECS Constant en achetant un astromoteur pour leur vaisseau. Olivier Campbell m'a orienté vers Benil Saint-Gem chez Optech, qui a l'habitude de travailler sur ces modifications de vaisseaux spatiaux. Ouais, oui, mais donnez un peu plus d'infos. Donnez-moi un peu plus d'infos quand même. Bienvenue à la clinique. S'il s'agit d'une urgence médicale, utilisez le quai prioritaire. Mais non, mais c'est pas du tout ce que je veux faire.
Oui, le problème, c'est que c'est pas super clair. On a rendez-vous Optech, c'était à Valo. Alors du coup. Montrer. Ira. Ira. Vectra. Je suis un peu perdu là, je comprends pas trop le délire. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Mais Optech, c'est sur la planète, oui ou non? Moi, c'est ça que je veux savoir. Hyperia, Nira, Vectra. C'est ça que je regrette en fait dans le jeu, c'est que ce n'est absolument pas précis. Et moi qui aime bien savoir un peu où je fous les pieds. Peut-être un petit conseil, mon petit Max, parce que là, franchement, j'aimerais bien savoir où je dois aller, parce que c'est pas plus précis que ça, quoi. J'ai pas plus d'infos, donc. Est-ce qu'au moins je suis au bon endroit ? Tourner un peu. Voilà. On va se laisser porter par ce point-là. Là. Hop. Allez. Hop. Le petit jump. On y va. On va voir. On perd pas de temps. On va voir. Ah mais même le menu des missions et tout, il est claqué au sol, je trouve. Vous vous trouvez dans l'espace de Liberastra. Maintenez votre cap et votre vitesse pendant que nous scannons votre vaisseau. Oui, bah je maintiens. Vous pouvez y aller. Autorisation d'atterrissage à Optown accordée. Oh là là, le nombre de vaisseaux de ouf. Voilà, je pense que ça va être ça. Ça doit être ça. Voilà. Allez. Configuration de l'atterrissage. C'est parti. Oh, tu te lances ou comment ça se passe? Voilà. Atterrir. Uptown. Uptown down. Nanana. Hop. Ah, les petits temps de chargement, évidemment. Tu reprends le trajet, ça va te mettre sur la bonne planète du déroulé jusqu'à ce que tu y vas. Bah ouais, c'est vrai, parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que tu fais un jump dans le machin, tu rencontres un mec, t'as une communication, un machin. Excusez-moi, je me suis coincé le doigt dans la porte des chiottes. Je peux avoir un moteur, je peux avoir tel truc. Est-ce que je peux avoir ci, est-ce que je peux avoir ça? Oh, vous avez de la chance que je sois pas un pirate, hein, parce que je vous aurais tous défoncé sinon. On atterrit.
Site d'atterrissage verrouillé. Amenez-nous là-bas. Nous y voilà. Ok, se lever. Bon, du coup, je sais pas, j'ai pas fait gaffe s'il y avait une atmosphère machin. On va le savoir tout de suite, de toute façon. On va le savoir. Hein. Si on peut pas sortir comme ça, ça veut dire qu'il faut mettre une combinaison. Qu'on y est, on devrait passer au chantier spatial Optech, voir s'il n'aurait pas un truc intéressant à vendre. Non, sans déconner. C'est bizarre, hein, c'est là où on va justement. Il devrait mettre des petites voiturettes pour qu'on puisse se déplacer. Ou alors qu'on ait un robot qui se transforme en petite voiture. Ça pourrait être bien ça. Parce que bon, dès que tu te déplaces un petit peu là... Et les cailloux, c'est pas propre le tarmac. Hein. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah! Ah non, on va pas dépenser de sous parce que je sens la douille arriver. Quoi, c'est ça? Qu'est-ce que l'autorité commerciale? Non, on s'en fout. Par contre, apparemment, ici, il y a l'air d'y avoir de la tunasse, de la grosse moula. Oh, Rangers Power! Allez. Uptake! Oui? Quoi? Excusez-moi. Non, rien. J'ai rencontré Ron. Ah non, t'arrives à peine, oui quoi. Excusez-moi, je sais plus trop quoi faire. Bah, démerde-toi. Démerde-toi. Excusez-moi. Non. Ouais. Oh. Je ne veux entendre personne se plaindre. Wow. Eh, moi je viens d'arriver, hein. Calmez-vous les enfants. Moi je suis là, je suis gentil, je suis mignon, je rends service. Petite voiturette de golf, par exemple, hein, une voiturette de golf de l'espace. Allez. Alors. On va aller à l'accueil, hein, comme toute personne civilisée. Bonjour, Maro. Gardez un œil sur vos objets de valeur. Si vous pouvez pas protéger ce qui est à vous, vous avez rien à faire ici. Hey, wow. Sans les usines, on serait rien. Ouais, c'est bien, mais c'est pas ça que je te demande. Je fais pas confiance aux étrangers, ils apportent que des problèmes. D'accord. Je vais sonner comme un... Tu le sais, je vais passer le truc, ça va sonner comme de ouf, hein. La devise de Ron Hope pourrait être dépensée sans compter. Tant mieux. Parce que c'est pas comme si on avait quelques petites breloques à vendre. Oh, c'est mignon! Regardez-moi ça! Un petit chat de l'espace! Ah, un peu plus, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Et là, j'étais en train de chourer une peluche devant tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont tous à tousser là? Ils ont le coronavirus ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Allez! Ah, il y a une vitre. Bonjour, monsieur! Oh, bonjour. Quelqu'un qui mérite toute mon attention. On pourrait économiser pas mal de poids en retirant le siège du pilote. On pourrait le remplacer par un pouf. Qu'est-ce que c'est que ce con? Quoi? Attends, il se, sur Paradisio, là, il se fout de ma gueule. Alors, il paraît que vous êtes un expert en astromoteurs et pièces de vaisseau. J'ai besoin d'aide. Alors, c'est comment d'être ingénieur ici? Sur quel type de vaisseau travaillez-vous? On n'a pas le temps, nous. Je crois que c'est moi, en effet. Que puis-je pour vous? Je suis un peu occupé, mais je peux vous accorder quelques minutes. Oh bah oui, c'est vrai que t'as l'air surchargé de travail, là. C'est Olivier Campbell qui m'envoie une histoire d'astromoteur et de vaisseau colonial. Nous sommes tous occupés. Je dois savoir si vous pouvez poser un astromoteur sur un vieux vaisseau colonial.
première. Oh, il fallait le dire tout de suite. Voilà. Je vais vous aider, bien sûr. Oliver m'a prévenu de votre arrivée. Oui, Oliver, j'ai fait quelques recherches sur les vaisseaux de l'époque et j'ai une idée assez précise de ce qui nous attend. En fait, ce vaisseau a été construit avant que les astromoteurs commencent vraiment à s'imposer sur le marché. Je sens la douille. Je peux me procurer l'un des premiers modèles qui devrait être compatible avec quelques ajustements. Mais il est en bon état, en plus. Mais il manquerait plus que tu leur files un truc pourri. Et la main-d'œuvre non plus. Si vous voulez votre moteur, vous devrez me verser la totalité de la somme. C'est-à-dire ? Pardon ? 40 000 crédits ? Bon, les gars, vous allez rester dans l'espace. Persuadé. Vous en demandez beaucoup. Ces vieux astromoteurs sont très rares. Tu la veux, celle-là ? Ça fait combien de temps que vous avez cette pièce sans que personne veuille vous l'acheter ? C'est vrai. Je me dis que je la garde pour le bon moment. C'est peut-être le bon moment. Voilà. Après tout, c'est pour une bonne cause. Voilà ce que je vous propose. Je ne peux pas vous procurer la pièce gratuitement, mais je peux vous offrir la main-d'œuvre. Je sais même pas si je les ai les 25 000 crédits. Ah, je peux pas regarder dans les menus. Oh, on dirait que vous n'avez pas assez de crédits. Les pièces détachées de cette époque ne courent pas vraiment les rues. C'est pour ça que je vous demande de payer d'avance. Revenez quand vous aurez ce qu'il faut. Je ne bouge pas d'ici. Alors, combien avons-nous de crédits ? Alors, fais voir compétences. On n'a pas de points. Inventaire. On a 13 969 crédits. Putain, ça veut dire qu'on va se ruiner pour une bande de guignols ? Ouah. Ah, c'est chaud. On est un peu coincé. Alors, moi, je propose un petit truc, tout simplement. Parce que forcément, l'affiche derrière est inspirée d'une affiche de propagande américaine. Je propose un truc. C'est que, eh bien, j'ai énormément de... Oh, cette... Heureusement, j'ai enlevé, hein, parce que là, il y en a une qui vient de débarquer derrière, là. Attendez, il faut que vous voyez la touch qu'elle a. Classique, avec un peu plus de stockage. Vous êtes sûr ? Elle a une touch une fois. Très particulière. Après le début de la construction. Vraiment très très particulière. Alors, voilà, on fait la petite pause. On se remet comme ça. Moi, je vous propose un truc. C'est que, évidemment, je vais devoir m'arrêter là, hein, parce qu'il va être 11h. Demain matin, je me lève à 4h. Je vais vendre un maximum de choses qu'il y a à l'intérieur de mon vaisseau. Il y a pas mal de choses que j'ai récupérées à droite, à gauche. J'ai gavé d'armes. J'ai pas besoin d'avoir autant d'armes sur moi. Moi, il me suffit juste d'avoir les 2-3 flingues que j'ai pour l'instant qui sont custom. Ça me suffit. On va essayer de vendre des choses, de récupérer 2-3 petits trucs. Pourquoi pas faire 2-3 petites missions vite fait. Genre des petits trucs en off vite fait. Et comme ça, pour le live prochain, on aura, je pense, assez d'argent pour payer eh bien, ce fameux astromoteur. Bon, déjà, on n'a pas payé 40 000, on paye 25 000. C'est déjà un peu plus raisonnable. Bon, ben...
on les explose. Nous dit donc le film. On va essayer quand même de remplir cette mission-là. Je pense que ça peut être intéressant de garder une route avec une bonne conduite et essayer de remplir nos objectifs. Je le pense, hein, je le pense. Déjà, au niveau persuasion, on n'est pas trop mal, hein, puisqu'on arrive à gérer 2-3 petits trucs et à sortir de situations un peu embarrassantes, un peu complexes. Hein. Ça, c'est plutôt cool. D'où le fait d'avoir des choix multiples et de bien réfléchir à comment vous allez aborder les trucs, bien lire les questions, voir un petit peu les messages cachés, hein, dans les interactions que vous avez avec les gens, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Hein. Clairement, en gros, si on avait détruit le vaisseau, les autres, là, ça les aurait bien arrangés au final. Mais après, nous, on passe pour un gros fumier. Donc, voilà. Mais on a vite compris les petits messages entre les lignes, hein, qu'il y avait. Hein. C'était des gens qui, vraiment, ne comptaient pas spécialement aider. Ça les arrangeait pas plus que ça. Hein. Donc, voilà, ils voulaient pas, hein, nuire à l'image de leur entreprise. Donc, ils étaient prêts, hein, à littéralement soit en faire des esclaves, le temps qu'ils payent leurs dettes. Nous, on a choisi, hein, tout simplement de les aider autrement. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Merci à vous toutes, à vous tous. On remercie la modération, évidemment, Nat, Max. Merci à nos chers modos. On salue les autres modos qu'on voit un petit peu moins, mais on ne les oublie pas. Hein. Il s'agit de Yamete Kudasai, de Menchi, et évidemment notre bon Mustérion de la chaîne Gaming Wiz. Hein. On embrasse Ojo Kamisarel et le petit Choubouks ainsi que Mustérion. On leur fait des gros bisous. On espère les revoir très prochainement. En tout cas, merci à vous toutes, hein, et à vous tous. Merci pour vos messages super sympas. Évidemment, hein, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous donc jeudi pour Son of the Forest, en solo, je crois. En solo ou en duo, ça dépendra, voilà, de la disponibilité de notre bon Max Blade. Hein, si on peut switcher à n'importe quel moment. Hein, voilà, on n'a pas d'impératif spécifique. Donc, jeudi 20h, Son of the Forest, et évidemment samedi 21h30 pour la suite du fil rouge Mad Max. Vous allez halluciner sur Mad Max, vous allez littéralement halluciner. La voiture, elle est méconnaissable, le personnage méconnaissable. Je vais vous afficher la map, j'ai fait toutes les missions annexes qui n'ont rien à voir avec la trame principale. J'ai pris contrôle de tout le bas de la carte, vraiment, hein, voilà. Le mec a pas chômé. Hein. Vous allez voir la caisse et le personnage dans Mad Max. Littéralement, on a un char d'assaut. Voilà. Et quand le Max il distribue des cacahuètes, il y a des chicots qui volent dans tous les sens. Clairement. Voilà. Solo, je bosse jusqu'à. Ah ok. Bon bah demain, ça sera rendez-vous donc Son of the Forest en solo. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous toutes. Merci à vous tous pour votre gentillesse. Et évidemment, votre présence sur les lives. On termine avec la phrase que vous connaissez toutes et tous. N'oubliez pas, c'est que du jeu. Amusez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau live. Rendez-vous jeudi à 20h. Ciao, c'était Ika.